Comment ça va tout le monde? C'est du costaud aujourd'hui, avec Cédric Durand. Je suis ravi qu'il soit là. Comment ça va Marx? Comment ça va Pilou? Vous êtes en forme? Salut qui que ce soit. Merci Ubique pour ton abonnement. Deuxième mois d'abonnement, c'est formidable. Qu'est-ce que t'en dis qui offre des abonnements? Allez, on n'a même pas encore commencé à parler, c'est déjà le train de la hype. Qu'est-ce que... C'est incroyable. Ça vient, ça va, ma foi. Bah, BG, alors là, plus tellement, hein. À mesure que le confinement avance, c'est la cata. Bon, je vais pas faire patienter mon ami Cédric trop longtemps. Surtout qu'il est à côté. Donc on va commencer tout de suite, parce que je suis déjà en retard, 18h32. Oulala, là. En retard. Bon, laissez-moi une seconde, je vais le chercher. Et hop là, salut Cédric. Salut Mathieu. Comment ça va? Tout le monde dans le chat te dit bonjour et te salue. Donc je me permets de te transmettre. Si t'es avec Twitch sur ton téléphone, je pense que tu peux avoir en même temps normalement ce qui se dit dans le chat. Alors attends, je vais baisser un tout petit peu le son. Merci pour vos abonnements, merci Capreform. Cédric, on est vraiment ravis de t'accueillir et tu étais très entendu. Sache-le. Ah super. C'est pas pour te mettre la pression du tout. Donc voilà. Alors ça commence déjà à faire des petites blagues. Est-ce que grosse bibliothèque égale gros QI? Parce qu'évidemment, les chercheurs et les économistes aiment bien ce peu de valeur bibliothèque. Non, c'est de la violence symbolique. Avant d'aller sur Twitch, je me suis dit, je suis pas trop en terrain connu, alors autant jouer avec les cartes que j'ai. Eh oui. Eh ben franchement, je suis ravi que tu aies accepté de venir. Ça me fait très plaisir. Surtout vu le programme que tu nous as concocté un peu pour ce soir-là. Ça va être très chouette et je suis très heureux d'être là. J'espère que aussi tu es content de venir discuter avec nous. Je suis super content. Eh ben super. Alors pour commencer, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est les gens qui viennent, qui se présentent eux-mêmes. C'est toujours mieux que quand un tiers te présente. Est-ce que tu veux bien un peu nous parler de toi rapidement? Nous donner un peu ton parcours. Oui, ça. En deux mots, je suis économiste. Je travaille sur la dynamique du capitalisme contemporain. J'ai travaillé d'abord sur la transition post-soviétique dans les années 90, puis sur la grande distribution, et puis plus récemment sur la financiarisation et le capitalisme numérique. Et s'il y a une espèce de fil rouge dans mes recherches, c'est à la fois la dynamique du capital, donc quelque chose qui se retrouve dans des configurations multiples, hein, autour d'une idée centrale. Ce qui dirige le monde aujourd'hui, c'est la recherche du profit. Et d'un autre côté, une grande instabilité dans cette manière dont le profit se déploie dans l'espace et dans le temps, donc des crises, des redéplacements géographiques, des choses comme ça. Et donc aujourd'hui, j'étais longtemps à l'Université Paris 13 et depuis quelques mois, je suis à l'Université de Genève. Eh bien super. Et puis on rappelle ton dernier bouquin que j'ai dans les mains, que je montre tout de suite. Technoféodalisme, critique de l'économie numérique. Retrouver, c'est édité chez Cezdone, c'est ça, la collection? Exactement, une collection à la découverte. À la découverte. Conseille vivement. On en dira quelques mots de cette histoire de techno-féodalisme. Alors, il y a une première question déjà dans le chat, figure-toi, et elle est très bonne. Parce que j'ai marqué élément d'analyse marxienne. C'est quoi la différence entre marxien et marxiste? Alors, la différence entre marxien et marxiste, elle est d'abord terminologique dans le sens où marxien se rapporterait proprement aux travaux de Marx ou à la pensée de Marx, et marxiste se renverrait au courant qui se réclame de la pensée de Marx et qui donc eux-mêmes ont leur élaboration propre. Alors ça, c'est la définition, si on veut, un peu froide, un peu technique. Mais derrière, il y a une distinction très largement politique, et c'est pour ça que moi, je trouve que je me réclamerais plutôt du marxisme que de la seule pensée de Marx. Ah, bah alors je change. C'est un courant extrêmement large, et qu'il a été, d'une certaine manière, un peu décrédibilisé dans les années 80 et 90, dans un contexte de grand recul pour les forces progressistes dans le monde entier. Et intellectuellement, beaucoup se sont repliés sur une position défensive qui était de dire, bon, OK, les marxistes, ils sont dogmatiques, ils sont plus ou moins liés à l'Union soviétique, etc., etc. Mais moi, je me réclame de Marx, et Marx est quand même un grand penseur, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on respire un peu plus, et qu'on peut aussi redécouvrir la richesse de la tradition marxiste qui compte une multitude de très grands auteurs en économie, mais pas seulement en économie. On peut penser à Rosa Luxembourg il y a un siècle, ou on peut penser plus récemment à des gens comme David Harvey, qui sont des très grands marxistes, avec une théorie propre tout à fait remarquable. Très bien. Bah, du coup, j'ai changé, j'ai mis élément d'analyse marxiste, du coup. Écoute, peut-être qu'on peut se lancer dans le vif du sujet.
Je sais pas comment tu veux qu'on commence. Alors attends, je vais reprendre les diapos, évidemment. J'ai moi aussi sous les yeux. Hop. Je sais que tu avais un peu un cheminement de pensée que tu voulais qu'on. En tout cas, qui me paraissait très clair, donc ça me paraît très bien de partir de ça, avec peut-être commencer en quelques mots sur, bah déjà, sans faire toute la vie du bonhomme, mais marquer que c'était en même temps un philosophe, en même temps un économiste, en même temps un militant, et c'est vrai qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus, quoi. Oui, c'est-à-dire l'arrivée de Marx à l'économie, elle se fait relativement tardivement. C'est d'abord un philosophe et un militant, quelqu'un qui s'interroge sur le monde dans lequel il est en train de vivre, un monde qui est marqué par des révolutions. Hein, c'est un siècle d'effervescence, le 19e siècle, mais la première moitié du 19e siècle est marquée par une grande agitation politique, si on veut, en France, en Allemagne notamment. Et c'est ça qui préoccupe Marx. Et il dit dès 1845, dans les thèses sur Feuerbach, quelque chose qui est vraiment un leitmotiv dans le travail, les tâches qu'il se donne pour lui-même, c'est l'idée que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, mais ce qui importe, c'est de le transformer. Et c'est pour transformer le monde qu'il va s'intéresser à l'économie. C'est vraiment, donc l'économie est finalement une nécessité pour l'action. Pour comprendre le monde tel qu'il va, ben, il va devoir se confronter à l'économie et avec un objectif politique. Alors ça, je trouve que c'est vraiment une idée qui est absolument essentielle. C'est-à-dire que Marx est un penseur critique au sens fort. Ça veut dire, qu'est-ce que j'entends par un penseur critique au sens fort? Hein, c'est l'idée qu'il fait une critique impitoyable de l'ordre établi, c'est-à-dire qu'il essaie de comprendre, d'analyser les conséquences de ce qui s'y déploie, les conflits qui s'y déploient. Mais il fait cette critique en tant quel est le moyen de changer le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout une pensée utopique qui chercherait à inventer un modèle fait de toutes pièces et qui dirait, ben voilà, c'est ça le monde parfait, il faut aller vers ça. Alors, il respecte hein, les socialistes utopiques qui ont fait ce travail-là, mais lui, il veut aller au-delà de ça. Il dit, voilà comment le monde fonctionne. Et c'est en comprenant la manière dont fonctionne le monde que l'on peut espérer le transformer. Hein. Si vous voulez, l'émancipation de l'humanité est déjà présente en germe, en potentialité, dans le monde d'oppression qui est celui qu'il décrit. Et alors cette idée, elle me semble vraiment très importante parce qu'on la retrouve aussi chez d'autres auteurs, comme plus récemment, comme des auteurs féministes. Judith Butler, par exemple, lorsqu'elle explique ce qu'est la critique, et en particulier ce qu'est la critique féministe qu'elle va contribuer à nourrir, eh bien c'est une mise en crise de la pensée associée à une expérience de vie dans laquelle on fait l'expérience de l'oppression. Et donc, c'est l'expérience de l'oppression ou l'expérience de la contestation du monde qui aboutit à la formulation de questions de recherche. Ouais, donc c'est vraiment une pensée critique au sens fort du terme, quoi. Et donc, du coup, tu Ouais, avais. voilà, j'ai retenu juste une petite citation que je peux peut-être donner là. Je vais vous en parsemer quelques-unes si tu es d'accord Oui, je dans le vais volet de la réexpliquer à tout le monde citation. que c'est un peu comme Mais ça qu'on il dit s'était mis cette, euh, d'accord. en 1843, dans une lettre, bon, il dit la chose suivante: Nous ne voulons pas anticiper le monde dogmatiquement, mais découvrir le monde nouveau en commençant par la critique du monde ancien. Hein, donc il y a vraiment ce caractère indissociable de la découverte du monde nouveau, hein, donc de l'émancipation, en partant de la critique du monde ancien. Partant de l'existant, on dirait aujourd'hui. De l'existant, exactement. Effectivement. Donc oui, juste pour que tout le monde comprenne bien ce qu'on. En fait, ce qu'a décidé en partie Cédric, en accord avec moi évidemment, c'est qu'on part de certaines citations de Marx, pas refaire non plus de manière trop académique le truc, mais que ça nous amène sur des thématiques de discussion derrière. Donc effectivement, ça me paraît une très bonne manière de faire et je te remercie Cédric de l'avoir suggéré. Alors du coup, tu avais mis une autre citation là que je vois sur les slides en même temps, mais peut-être qu'elle est un peu trop longue celle-là, non? Oui, voilà, donc je l'ai un peu résumé tout à l'heure. C'est cette idée que le travail de la critique est un travail on dirait, de déconstruction, pourquoi pas aujourd'hui, hein, du monde ancien, mais en tant qu'il permet de créer quelque chose d'émancipateur. Bien sûr. Il y a, alors, il s'appelle Marx dans le chat, mais ce n'est pas le vrai. Il demande si je pourrais leur envoyer les slides après. Ça pose pas Oui, de bien problème. sûr, bien sûr. Super, très bien. Bon, alors moi, évidemment, le truc qui m'intéresse particulièrement, parce que c'est aussi le cœur un peu de tes travaux, c'est que Marx est un des grands penseurs de la dynamique, du coup, du système, et donc du coup, la dynamique du capitalisme, quoi. De penser la logique interne aussi et ses contradictions. Je pense que c'est ça un des éléments essentiels, quoi. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ces éléments-là? Ouais. Donc tu as tout à fait raison. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plutôt de, c'est donc
du Marx économiste. Et Marx n'est pas que l'économie. Donc, c'est important que ceux qui nous écoutent aujourd'hui aient bien ça à l'esprit. C'était donc un militant et un organisateur de la Première Internationale. C'était aussi un politiste très fin, hein, qui analyse très finement la situation politique en France dans le vif du sujet, hein, notamment au moment de 1848, puis au moment de la Commune de Paris. C'est quelqu'un qui a une haute sensibilité aux institutions. Je relisais en préparant l'émission un petit texte écrit par Rosa Luxembourg sur Karl Marx. Elle dit qu'une des très grandes forces de Marx est d'avoir identifié le rôle de la lutte des classes dans les institutions politiques et sociales comme élément qui détermine le devenir du système économique. Donc il y a vraiment une pensée institutionnelle très forte comme... pour employer un terme qui est important aujourd'hui parmi les pensées plus critiques. Mais effectivement, ce dont on va parler, c'est plutôt donc, de quelque chose d'un petit peu plus général sur la logique même du capitalisme et du point de vue, d'un point de vue économique que développe Marx. Et alors, si on veut retenir une phrase, ça serait la phrase suivante. C'est l'idée que le capital, c'est de la valeur en mouvement. Alors, donc on retient cette phrase et puis on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Pour comprendre ce que c'est que de la valeur à mouvement, et là, je m'appuie sur une démonstration développée par David Harvey, c'est l'idée qu'on peut faire l'analogie avec le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, tout le monde le connaît, on l'a étudié sans doute au collège ou au lycée. On a donc l'eau qui s'évapore des océans, qui retombe sous forme de pluie, sous forme d'orage, sous forme de neige, qui va dans des montagnes, dans des rivières, qui va dans des lacs souterrains, qui va dans des lacs plus généralement, qui se stagne longtemps dans des nappes phréatiques, etc., puis bon, qui se rejette finalement dans les océans. Pourquoi faire cette analogie avec le cycle de l'eau ? Quel est le rapport entre le cycle du capital et le cycle de l'eau ? Eh bien, c'est que dans les deux cas, il y a quelque chose qui est la même chose. En l'occurrence, dans le cycle de l'eau, l'eau, elle prend des formes diverses, c'est de la neige, c'est de la glace, elle se déplace rapidement dans des torrents ou elle stagne dans des réserves d'eau. Eh bien, de la même manière, le capital, c'est de la valeur qui circule. C'est de la valeur qui circule, mais de façon complètement à des rythmes très différents et dans des espaces extrêmement différents. Donc, il y a une espèce d'unité, si vous voulez, du capital, mais qui prend des formes très différentes. Parlons concrètement. Le capital, c'est quoi ? C'est de l'argent, c'est des stocks de matières premières, c'est des machines, c'est des stocks de marchandises, c'est des titres financiers, c'est des infrastructures. Bon, tout ça, c'est du capital à différents moments, hein, si vous voulez. Et donc, il y a à la fois une matérialité très différente et une unité. Et c'est quoi l'unité ? C'est que c'est quelque chose qui est en train de se valoriser. C'est quelque chose qui est en train de se valoriser. Process de valorisation permanente, quoi. Exactement, exactement. Il y a des forces qui font que c'est valorisé d'une certaine façon, pas d'une autre, quoi. Voilà, exactement. Alors, je vais essayer pédagogiquement d'identifier, si tu veux, trois ou quatre moments dans cette valorisation qui permettent de comprendre, en gros, la base du système, le moteur du système. Alors, on peut commencer à différents endroits, mais pour la simplification, on va commencer, comme le font les Keynésiens, par le financement. Donc, il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui est disponible. Et cet argent disponible, qu'en font les capitalistes ? Eh bien, ils le dépensent. Ils le dépensent de quelle manière ? En achetant des matières premières, en achetant des machines et en payant du travail. Et tout ça, ils le combinent. Ils le combinent dans ce qu'on appelle, chez les marxistes, le procès de production. Et le procès de production, c'est ce qui va permettre de transformer ces matières premières, puis en mobilisant ce travail et ces outils de production, en des marchandises. Alors, là c'est le cœur de la machine. C'est vraiment le cœur du réacteur. C'est très important de bien comprendre ce qui se joue là. Lorsqu'on produit des marchandises et qu'on est un capitaliste, en fait, on produit deux choses. On produit des marchandises qui vont être utiles. Donc, si on fabrique des chaussures, eh bien voilà, avant, on avait des bouts de cuir et puis à la fin, on aura des chaussures. Bon, très bien. Mais il y a aussi autre chose. On ne fait pas seulement des chaussures. Ce qu'on fait aussi, c'est du profit, de la survaleur. On fait de la survaleur. C'est-à-dire qu'on va produire de la valeur au-delà de ce que l'on a acheté précédemment, c'est-à-dire au-delà du prix des matières premières, des investissements réalisés et du travail qui est payé. On dirait de la valeur ajoutée en comptabilité basique. Non, parce que la valeur ajoutée, il y a les salaires dedans. Sauf que là, ce que cherche le capitaliste lorsqu'il valorise, il produit quelque chose au-delà des salaires. C'est la survaleur, c'est donc, si vous voulez, de la valeur au-delà de tout ce qui a été dépensé, y compris les salaires par le capitaliste. Et donc là, c'est très important ce point-là, parce que ça donne l'idée centrale du capitalisme qui est que c'est une production pour le profit, pour cette survaleur.
toute la machine est orientée autour de ce moment. On va produire des marchandises qui, non seulement vont être des marchandises avec une valeur utile qui pourront être vendues, mais qui, en même temps, vont rapporter un profit. C'est ça, le cœur de la machine. Mmh. Alors, évidemment, plein de choses peuvent mal se passer. La première chose qui peut mal se passer, c'est pour ça que le capitalisme, c'est la crise. Et qu'il y a plein de formes de crise dans le capitalisme. Il n'y a pas un genre de crise, il y a des multiples genres de crises, même si elles ont certains traits communs. Comment ça peut mal se passer? Eh bien, d'abord, on peut avoir une crise financière qui vient d'avoir lieu, donc du coup, pas moyen de trouver un financement. On a un super projet pour construire, je ne sais pas moi, des moteurs à hydrogène hyper efficaces. Techniquement, ça marche hyper bien. On pense qu'il y aura des gens qui en voudront, etc. Mais les banques ne font pas crédit parce qu'on est en 2010. Et en 2010, c'est après la grande crise financière. Et après, le crédit est gelé. Ou en 2009, le crédit est complètement gelé. Donc, ça ne peut pas marcher. Mmh. Autre élément, ça se passe mal parce que les salariés ne sont pas assez payés, ils sont très fortement organisés, ils veulent eux-mêmes prendre le contrôle sur la production, ils sont insubordonnés. On est dans les années 70, il y a des révoltes multiples dans les usines et donc il y a quelque chose en bas qui fait que la production ne se passe pas bien au moment même de la production. Hein. Il y a des grèves, des interruptions, etc. Donc ça peut être un deuxième problème. On peut avoir un cataclysme naturel qui vient interrompre le processus de production. Donc ça, tout ça, c'est au moment du processus de production lui-même, le deuxième moment. Le troisième moment dont je n'ai pas encore parlé maintenant et qui est très important, qui est celui sur lequel insistent les keynésiens, mais qui est aussi présent bien évidemment chez Marx, c'est le moment de la réalisation, c'est-à-dire le fait que ce qui a été produit trouve une demande, trouve un débouché. Alors ce débouché, d'où vient-il? Il vient des consommateurs, il vient de l'État, il vient éventuellement des entreprises elles-mêmes. Bon, mais c'est pas une entreprise, une marchandise n'est pas sûre de trouver un débouché. Et Marx, qui est un grand styliste, a une expression pour parler de ce moment. Il dit « c'est le saut périlleux de la marchandise ». C'est le moment où, si vous voulez, la chose a été produite, mais hop, elle est suspendue en l'air jusqu'à ce qu'elle retrouve une demande qui la reconnaisse comme quelque chose d'utile, de valable socialement. Donc là, il y a ce saut périlleux de la marchandise, c'est le moment de la demande. Donc là aussi, on a encore un moment de crise qui est possible. Puis ensuite, on va avoir de la répartition. Alors la répartition, il y a des choses qui vont aller aux impôts, des choses qui vont aller au capital financier, des choses qui vont aller aux riches managers, des choses qui vont aller aux salariés, bien sûr, etc., etc. Et en fonction de cette répartition, il peut y avoir aussi une dynamique d'instabilité financière endogène. Donc, pour résumer, hein, puisque évidemment, chacun de ces moments pourrait être discuté en détail, mais on a trois grands moments, hein. Le moment du financement de l'activité, le moment du procès de production lui-même, où le travail est combiné avec les moyens de production pour créer des marchandises et pour créer du profit. C'est là où il y a une forme d'exploitation du travail, c'est là où se joue le conflit de classe fondamental pour Marx. Et puis, il y a un troisième moment qui est le moment de la réalisation. Alors, il faudrait encore complexifier les choses, rajouter le travail gratuit des femmes qui vient en appui à l'accumulation capitaliste, rajouter le rapport à la nature et ce que Harvey appelle les dons gratuits de la nature et qui sont nécessaires pour permettre que se déploie l'activité capitaliste, etc. Mais voilà, pour faire simple, dirons-nous, il y a ces trois moments avec au cœur du moteur, hein, le procès de travail qui est le moment de l'exploitation et qui est aussi un moment de conflit intense. Pourquoi c'est un moment de conflit intense? Eh bien, parce que pour le capitaliste, ce qui est important au moment du travail, c'est que le travail soit, il achète du temps de travail. Il n'achète pas une quantité de travail, le capitaliste, il achète du temps de travail. Et du coup, il y a une bataille pour que ce temps de travail soit, de son point de vue, le plus productif possible. C'est pour la raison pour laquelle il va y avoir une forme de pression hiérarchique, des mécanismes de contrôle, pour parler comme... Pour faire référence à un travail contemporain, hein, Philippe Askenazy parle de néo-stakhanovisme comme pour parler de l'intensification du travail. Mais cette idée, elle était déjà présente chez Marx. Hein. Il y a l'idée que les capitalistes vont essayer d'intensifier le travail, hein, c'est-à-dire d'intensifier l'activité pour payer le moins cher possible pour le maximum d'activité humaine tirée de l'argent qu'ils dépensent. Et donc, évidemment, à l'inverse, hein, les salariés vont tenter en partie d'échapper ou d'avoir davantage de contrôle sur le procès de travail lui-même, et puis aussi ils vont se battre pour leurs revenus. Donc à ce niveau-là, il y a un conflit qui est très important. Mais peut-être, pour dire une dernière chose sur cette dynamique générale, si ce conflit capital-travail est central, ce n'est pas le seul conflit.
Ce n'est pas le seul conflit. Il y a beaucoup d'autres conflits au sein du capitalisme. On peut avoir des conflits qui vont être liés à l'écologie. Ben voilà, si vous êtes à Rouen et que vous êtes victime de pollution associée au manque de normes, de respect des normes de sécurité environnementale par des usines chimiques, eh bien voilà, vous êtes habitant de Rouen et vous allez être en conflit avec l'entreprise capitaliste qui a fait des économies sur la sécurité de son usine. Là, c'est un autre genre de conflit qui n'est pas le conflit salarial. Si vous êtes endetté vis-à-vis de la banque pour votre maison et que vous êtes chassé de votre maison, et comme l'ont fait des mouvements en Espagne ou aux États-Unis de manière très forte lorsqu'il y avait des expulsions dans les années 2010, vous allez être en lutte contre les créanciers, les banques qui vous ont prêté de l'argent et qui vous mettent dehors de votre maison, bon, etc., etc. Donc, les conflits sociaux dans le capitalisme sont, bien sûr, il y a un rôle très important sur la question du rapport au travail qui est central. Mais ce n'est pas l'unique conflit. Il y a d'autres conflits qui peuvent être des conflits anticapitalistes. Le logement, effectivement, je pense que c'est un des conflits anticapitalistes majeurs aussi de la période, hein, où à mesure que le prix des logements augmente, c'est aussi quelque chose qu'on trouve chez David Harvey en partie, quoi. Question spatiale, etc., où c'est un objet de lutte intense, et puis on se met à questionner aujourd'hui le fait même, tiens, au fait, pourquoi est-ce que des gens possèdent le logement pour lequel je dois payer un loyer? Et je pense qu'effectivement, c'est des choses à remettre sur le devant de la scène. Tu parlais de ce qui constituait du capital. Et typiquement, chez Piketty, ce qu'il appelle lui le capital, en fait, c'est essentiellement le patrimoine, et surtout le patrimoine qui, du coup, est majoritairement du patrimoine immobilier, quoi. Ça fait effectivement aussi partie du capital, même si la définition à lui du capital, elle est quand même, elle est considérée comme par beaucoup, et j'imagine par toi aussi, comme étant relativement faible par rapport à ce qu'il y a derrière, quoi. Oui, il y a une idée qui est très forte, peut-être qu'on peut faire une petite digression là-dessus, il y a une idée qui est très forte chez Marx et chez les marxistes en général par rapport à Piketty, c'est que le moment de la création du profit, hein, de cette survaleur, c'est vraiment ce moment très précis de l'exploitation du travail. C'est ce moment très précis. Et ensuite, si vous voulez, les capitalistes mettent en commun tout ce profit et se le distribuent. Ils se distribuent entre banquiers, entre différents groupes industriels, avec des niveaux de rémunération qui ne vont pas être les mêmes. Mais il y a vraiment ce moment de l'exploitation est quelque chose qui, au niveau du système, crée une espèce de grande réserve de plus-value. Et ensuite, ils se font la guerre entre eux pour se répartir cette plus-value. Mais il y a quand même ce moment très particulier. Et quand on parle du capital en tant que capital en opération, créateur de valeur, il y a ce moment de la production très précis qui est assez distinct, hein, effectivement, du capital qui pensé comme patrimoine chez Piketty, où on n'a pas du tout cette logique de valorisation et d'exploitation du travail. Oui, on ne voit pas le rapport social, c'est ça la critique qu'on lui fait, quoi. Ouais. On ne voit pas ce qui met en mouvement, justement, hein, tout ça qui fait que ça devient du capital, quoi. On a tendance à le dire, c'est comme s'il y avait un stock était là, quoi. Alors qu'en fait, c'est le processus du coup qu'on invisibilise, quoi. C'est ça un peu le problème. Oui, exactement. C'est, tu l'as très très bien formulé. C'est cette idée qu'il y a une forme de naturalité du capital chez Piketty autour de cette idée de patrimoine, alors que chez Marx, il n'y a pas du tout cette idée de naturalité. Au contraire, c'est quelque chose qui est un fruit de l'histoire, un peu contingent. Alors, il explique que c'est pas du tout une évolution naturelle et progressive. C'est le fruit de batailles sanglantes. Il parle d'une histoire inscrite en lettres de feu et de sang qui a donné naissance au capital, donc où certains se sont fait expropriés, sont devenus complètement dépendants de ceux qui avaient les moyens de les embaucher. Et de cette violence primitive, si on veut, s'est créée cette logique d'accumulation dans laquelle le capital est un processus de valorisation. Ce n'est pas un stock, ce n'est pas une donnée, ce n'est pas quelque chose qui est là naturellement, c'est quelque chose qui se valorise, qui en permanence est en train de se valoriser. Exactement. Vraiment ce mouvement-là, c'est pour ça que je reviens à la formule que je donnais tout à l'heure, pour vraiment insister, si on veut une définition simple du capital chez Marx, c'est de la valeur en mouvement. Donc, c'est de la valeur qui circule, qui doit devenir toujours plus grande. Et si j'ai fait tout à l'heure un parallèle avec le cycle de l'eau, il y a une différence majeure avec le cycle de l'eau. C'est que le cycle de l'eau, il se reproduit plus ou moins à l'identique avec le même stock d'eau, de quantité globale d'eau. Alors que le capital, il est en expansion. Il est en expansion, il doit s'accroître sans cesse. Il y a donc cette logique infernale de la nécessité d'avoir toujours plus de capital. Oui, complètement. Et dynamique infernale, comme tu dis, qui est censée conduire à la grande crise un jour, en tout cas qui conduit de fait à des crises. Et la question que se posent les économistes aujourd'hui, c'est à quand, en fait, cette dynamique va pouvoir continuer, quoi. C'est là où il y a des discussions très contemporaines aujourd'hui. On pourra peut-être reparler un moment de ce qui se passe aux États-Unis, mais il y a des discussions entre économistes, notamment keynésiens et marxistes. Certains voient d'un très bon œil ce qui se joue du côté des Américains. Et puis, certains auteurs marxistes vont plutôt dire, en fait, ça vient apporter un correctif à un moment donné, mais la dynamique
générale du capitalisme états-unien, elle est toujours sur une pente qui va conduire nécessairement à une grande crise, quoi. Là où il y a des débats que je trouve, moi, très intéressants de mon point de vue, mais... Oui, non, ça nous déporte un petit peu, mais moi, ma lecture, en tous les cas, de Marx est celle de l'omniprésence de la crise. La crise n'est jamais résolue, elle ne fait que se déplacer, d'être suspendue. Hein, suspendue, elle se déplace dans l'espace, elle est retenue à certains moments, elle a un caractère plus paroxysmique à d'autres moments. Les contradictions sont toujours présentes. Hein. Et effectivement, aujourd'hui, hein, ces contradictions sont très présentes. Elles se manifestent par ce qu'on pourrait appeler le long déclin, hein, de la dynamique du capitalisme, puisque décennie après décennie, dans les pays riches, on voit qu'il y a une baisse du taux de croissance et donc quelque chose qui est de l'ordre d'un épuisement. Et au même moment, hein, on a cette masse financière extraordinaire qui s'est constituée et qui est un peu comme en surplomb, si on veut, au-dessus de l'économie réelle. Et donc là, on sent bien qu'il y a quelque chose d'insoutenable. Mais en même temps, il y a en permanence des bouts de ficelle institutionnelle qui permettent de retenir les morceaux, d'essayer de les tenir. Et ce n'est pas dit que mécaniquement, il y a un effondrement simple comme ça. C'est-à-dire que la crise, elle peut avoir des tonnes de formes. Voilà, c'est ce que je... Oui, puis il se peut même que, enfin, typiquement, ça, on dérive un peu, mais que le rôle des banques centrales aussi change radicalement la donne pendant longtemps et qu'on rentre dans un régime administré par les banques centrales aussi qui peut durer un certain temps. Mais bon, voilà, c'est... Et il n'est pas dit qu'on ait un effondrement généralisé demain, quoi. Je pense que c'est là où il y a effectivement il y a matière à discuter, quoi. Oui, en tous les cas, on peut dire, si on est comme moi assez prudent sur les prédictions qui concernent l'avenir, on peut dire la chose suivante, c'est-à-dire que d'une part, hein, il y a des signes d'épuisement du capitalisme très forts et des contradictions très fortes qui ne vont pas être durablement résolues. Il n'y a pas de moyen de les résoudre durablement en le laissant aller lui-même, si on veut, hein, en le laissant à ses propres forces. Sous-entendu, il y a des marges pour lui redonner temporairement de la dynamique avec des formes d'intervention. Et d'un autre côté, il y a effectivement la possibilité justement de ces marges d'intervention, des capacités de le contenir, de le corriger. Et donc, voilà, il y a à la fois de la crise, toujours déjà là, et des moyens d'y répondre. Et pourquoi ? Parce qu'au fond, hein, c'est peut-être ça aussi une idée qui est très importante chez Marx et qui était présente dans la citation que j'évoquais de Rosa Luxembourg tout à l'heure, c'est que dans le système capitaliste tel qu'il s'est développé, très sophistiqué, et on retrouve cette idée chez Gramsci aussi, le politique joue un rôle essentiel. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez Palombarini et chez Amable, hein, dans la tradition de la régulation. Cette idée que les institutions, c'est-à-dire les compromis politiques, vont jouer un rôle décisif dans la manière dont va s'organiser la dynamique économique. Et ça veut dire que pour les anticapitalistes, aussi, hein, la question politique est décisive, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de solution au dépassement du capitalisme purement économique. C'est quelque chose qui n'y a pas une destinée purement économique au système. Il y a une dimension absolument politique. Oui, parce qu'en fait, quand on pense process de valorisation, on pense aussi pouvoir. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir, une certaine partie de la population, sur les décisions économiques, sur les décisions stratégiques, et donc ça, c'est éminemment politique. Ça veut dire que ce qui se joue dans la firme, dans l'entreprise, c'est évidemment en permanence du pouvoir. Et la valorisation des actifs, quand on parle aujourd'hui des centaines de milliards d'euros des milliardaires français, c'est comme ça que j'explique souvent aussi en formation, pour le coup, c'est d'abord du pouvoir, en fait, qui est entre les mains, c'est pas du cash. Du coup, c'est important, de se l'imaginer comme ça. Ce qu'il y a à saisir, c'est pas tellement une espèce de somme de cash sur lequel il serait assis, mais c'est un ensemble de... Enfin, c'est une masse de pouvoir, quoi. Sur le processus de production. Oui, alors il y a quelqu'un qui explique ça extrêmement bien sur un point très précis, c'est un post-keynésien, Kalesky, qui lui était aussi un grand lecteur de Marx, très proche de Marx, et c'est son idée de économie politique du plein emploi et du chômage, et dans laquelle il explique que, dans ce texte, il explique la chose suivante qui est absolument décisive, c'est que le chômage... C'est le moyen pour les capitalistes de préserver leur monopole sur la capacité à diriger l'économie. Si, par l'investissement, par leur décision d'investir ou de ne pas investir, de faire la grève éventuellement de l'investissement, de contester les décisions politiques en refusant d'investir, ils ont un moyen de pression sur la société dans son ensemble par le chômage. Et donc, cette question du chômage est la quintessence du pouvoir de classe des capitalistes, dans le sens où c'est leur décision ou non d'investir qui permet, dans un système comme celui-ci, à chacun d'avoir un emploi. Et donc, cette capacité de faire du chômage leur permet de dire, les petits que vous faites sont néfastes au climat de l'investissement, et donc, vous allez bien le voir, ça va mal se passer, il y aura du chômage, etc. Donc là, il y a un point dur, hein, dans toutes les politiques réformistes qui peuvent exister, qui est celui du moment où l'État accepte
ou n'accepte plus de dépendre des investisseurs privés pour déterminer le niveau de l'emploi. Et oui, c'est un des grands points, hein, effectivement, de la bataille. Et c'est clair que très concrètement, ça se traduit aujourd'hui en chantage à l'emploi. C'est aussi ça, hein, concrètement. Et le discours patronal, il est bien sûr très bien taillé là-dessus, pour le coup. Et, mais vous ne vous rendez pas compte, si vous essayez de nous contraindre, moins d'investissement égale chômage. Et vous ne voulez surtout pas être au chômage. D'autant plus que le gouvernement prépare une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui, du coup, renforce la peur de tomber dans l'armée de réserve qui fait de moins en moins envie, quoi. En tout cas, de plus en plus peur, quoi. C'est clair. Mais alors du coup, j'en viens maintenant, on parle du mouvement et on a parlé un petit peu des éléments de financière, de finance. Toi, tu parles de capital fictif, beaucoup. Qu'est-ce que tu entends par là? Et peut-être qu'on peut, sauf si je vais trop vite, hein, tu me dis. Mais... Non, écoute, c'est bien. Donc, le capital fictif, c'est une notion qui était très courante au 19e siècle. On la retrouve, par exemple, mentionnée par Ricardo, hein, qui n'a pas creusé cette question-là. Mais... Donc, c'est quelque chose qui était vraiment très courant au 19e siècle. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez des auteurs non marxistes, comme les auteurs autrichiens. Donc, il y a un concept qui est au-delà du marxisme, si on veut. Alors, qu'est-ce que cette notion de capital fictif? Eh bien, c'est l'idée, on peut le présenter à travers une chose très simple, qui est le capital porteur d'intérêt, AA'. L'idée que j'ai de l'argent et que je peux espérer de cet argent obtenir un intérêt. Comme si, et Marx a encore une fois une expression très, très imagée, hein, comme si il était dans la propriété de l'argent, hein, de rapporter de l'intérêt de la même manière qu'il est dans la nature du poirier de donner des poires. Hein. Donc, cette idée qu'il y a une forme de naturalité de l'argent à créer de l'argent. Mmh. Alors, il y a une entourloupe. Hein. Là, il y a une entourloupe. L'entourloupe, c'est que dans cette valorisation, hein, donc l'argent qui devient davantage d'argent, c'est de la valorisation, il y a toujours au fond du travail et de l'exploitation. Hein. Il n'y a pas moyen de créer de l'argent autrement. Hein. Ça n'existe pas de créer de l'argent autrement. Il y a toujours derrière une activité économique réelle, du travail réel et donc une exploitation réelle du travail derrière. Et alors Marx dit la chose suivante. Il dit bien, lorsque on a des titres financiers, lorsqu'on a de la dette publique, lorsqu'on a des actions, lorsqu'on a des prêts qui sont effectués par création monétaire, etc. Eh bien, dans ces différents moments, on a quelque chose qui va fonctionner comme du capital, c'est-à-dire qui va être censé se valoriser, mais qui pourtant, hein, ne repose que sur des promesses, des anticipations, pas des choses qui sont d'ores et déjà, qui ont déjà, d'ores et déjà eu lieu. Et donc, c'est là que réside une forme, si on veut, la fiction, le caractère fictif du capital. Il fonctionne comme du capital alors même que la valorisation n'a pas encore eu lieu. Pour être plus précis, si on réfléchit à un titre, à une action, si quelqu'un possède une action, je ne sais pas moi, de Air Liquide, d'entreprise Air Liquide, voilà. Alors certes, on peut dire que la valeur de cette action, elle correspond à une fraction du capital effectif de l'entreprise en termes de machines, de bâtiments, de brevets, que sais-je. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel de la valeur de cette action, c'est le flux anticipé de profits futurs tels qu'ils sont évalués à un moment donné. Et donc, ce que représente la valeur de l'action, c'est bien ces profits futurs et pas ces profits et des profits qui ne sont pas encore là. Donc, c'est une anticipation des profits futurs. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc, l'action est certes une anticipation des profits futurs. Très bien. Mais l'action, elle est aussi, si vous êtes le bienheureux possesseur d'un paquet d'actions, vous allez pouvoir, le jour où vous le souhaitez, la liquider. Si vous trouvez des gens pour l'acheter, vous allez la liquider. Et avec ça, vous allez vous payer des vacances de luxe, vous allez vous acheter une voiture, vous allez vous payer une maison, que sais-je. C'est-à-dire que cette valeur qui n'est que de l'anticipation de profits futurs peut, si vous trouvez un acheteur, peut être transformée en capacité immédiate à être dépensée. Donc là, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Hein. Si on veut, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Et c'est pour ça que Marx utilise ce concept de capital fictif. Alors, si on veut regarder de manière peut-être un petit peu plus systémique, hein, qu'est-ce qui se joue autour du capital fictif? Marx, il dit la chose suivante. Il dit que les élateurs du capital fictif, ceux qui donc font la promotion des titres financiers, de l'innovation financière, du développement du système de crédit à son époque, etc., il dit qu'ils ont un caractère plaisamment hybride d'escrocs et de prophètes. Escrocs et de prophètes. Donc, autrement dit, le capital fictif, c'est à la fois une escroquerie et en même temps une prophétie. C'est les deux. Ah, là, il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi cette ambivalence?
Eh bien, parce que le capital fictif, dans ce qu'il est une anticipation sur les profits à venir, est une forme de préfiguration de ce qui pourrait advenir d'après le capitalisme. Et par exemple, lorsque des grands projets d'infrastructure sont lancés, lorsque au XIXe siècle, il y avait par exemple les canaux qui étaient créés, lorsque on a dans les années 90 un emballement autour de la bulle Internet, eh bien, il y a bien une forme de préfiguration de ce qui peut advenir. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait cette préfiguration est le moyen de mettre effectivement en œuvre une série de projets, de creuser des canaux au XIXe siècle ou de lancer des start-up de la nouvelle économie dans les années 90. Là, il y a peut-être un lien à faire avec Keynes sur les anticipations, etc., pour le coup. Oui, absolument, absolument. Il y a des formes d'anticipation, d'esprit animaux, hein, pour reprendre un autre terme qu'utiliserait Keynes, qui se développent et qui donc permettent à... Les instruments financiers, si on veut, sont le moyen de faire aller dans les mains des entrepreneurs des ressources pour pouvoir développer ces esprits animaux, ces prophéties, hein, et donc pour leur donner un côté concret. On anticipe des revenus futurs. Voilà, c'est des promesses de revenus futurs qui se transforment en prêts biens réels qui permettent aux entrepreneurs d'avoir de l'argent et donc de développer ces projets-là. Mais Marx donc nous dit en même temps la chose suivante, il nous dit « Attention, attention, c'est aussi des escrocs. Pourquoi ? Parce que, évidemment, lorsqu'il y a l'occasion de faire des promesses et de raconter des belles histoires, on en rencontre un peu plus et on récupère un peu plus de ressources. Et donc, c'est pour ça que les bulles financières ont lieu de manière récurrente. Elles sont toujours construites sur une narration, sur une histoire, sur quelque chose qui capture l'imaginaire. » Et elle se retourne toujours. Il y a toujours ces phénomènes d'emballement financier, de retournement financier, dès lors que la finance est laissée à elle-même. Donc, le capital fictif, c'est ça. C'est à la fois une prophétie sur ce que peut réaliser le capital et ce qu'il réalise effectivement. Il est en extension, il y a des nouveaux projets qui se déploient, etc. Et en même temps, c'est quelque chose qui est une escroquerie dans la mesure où ce qui est promis, c'est davantage que ce qui pourrait être réalisé. C'est pour ça qu'on a des crises financières à répétition. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas critiquer la notion de fictif ? Parce qu'il y a quand même un truc, moi, qui me vient en tête. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le pouvoir, c'est que de fait, quand on détient une action, on détient un potentiel de revenus futurs. Alors, ça peut se matérialiser comment ? Soit par des dividendes si tu les votes au conseil d'administration, soit par une plus-value si tu arrives à revendre l'action, concrètement. Hein, c'est ça l'idée. C'est les flux, voilà, que tu anticipes. Sauf que dans le même temps, tu mets en branle un process de production dans l'entreprise dont, l'objectif final est quand même bien, bah justement, de maximiser ces flux de revenus, quoi. Quand tu es actionnaire, c'est comme ça que je veux le dire. Donc, il y a quelque chose de très concret, pour le coup, qui n'est pas du tout fictif, qui est la gestion que tu as sur la force de travail, quoi. Le pouvoir que tu as sur le processus de travail. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, si c'est une bonne réflexion. Non, je suis absolument d'accord. C'est tout à fait clair. Tu as tout à fait raison, Mathieu, là-dessus. En fait, une des formules que j'avais repris de Poulanzas pour la déplacer, c'est que le capital fictif est un champ de bataille. Dès lors que les actionnaires, ils ont des actions qui valent telle valeur parce qu'ils ont anticipé tel niveau de dividende pour les années qui viennent, eh bien, ils vont mettre la pression sur les salariés, ils vont restructurer les entreprises pour faire en sorte que leur pari passé se déploie bien effectivement. Exactement. Bien effectivement réalisé. De la même manière, les vagues de spéculation financière qu'on peut avoir sur la dette publique dans les pays du Sud ou en Grèce, ou etc., sont une manière pour la collectivité financière de dire « c'est nous qui sommes les premiers à recevoir de l'argent, qui devons être les premiers à recevoir de l'argent ». Et donc, c'est la restructuration de la dette sociale, des systèmes de protection sociale, des services publics qui doit s'imposer pour nous permettre d'obtenir les revenus financiers que l'on avait anticipés. Donc, il y a cette dimension de bataille. Hein. Une manière de le penser, c'est si le capital fictif est une anticipation sur l'avenir, dès lors qu'il y a beaucoup de profits qui sont anticipés, eh bien, il va y avoir une bataille pour savoir si c'est les salariés et les populations qui vont devoir revoir à la baisse leurs exigences si la croissance n'est pas là pour que les capitalistes reçoivent la rémunération qu'ils ont attendue sous forme de fiction, ou à l'inverse, autre scénario, c'est une crise financière, et dans ce cas-là, c'est les capitalistes qui doivent réajuster leurs anticipations. Mais il y a donc cette dimension de bataille autour de la valorisation du capital fictif. Peut-être que ça vaut le coup ici de rajouter juste une dernière idée, c'est que il y a quelque chose de très politique qui se joue là-dedans. On vient de le voir dans ce processus-là, mais on peut le penser aussi, et c'est Suzanne de Bruneuf qui avait ce concept que j'aime beaucoup, qui est ce concept d'antévalidation. Que font les banques centrales aujourd'hui lorsqu'elles rachètent en masse des titres financiers, lorsqu'elles soutiennent à bout de bras la valorisation financière ? Il y aurait dû y avoir une crise financière. Il y a des collègues qui ont écrit des tribunes en disant « il va y avoir une grande crise financière, 2, 3, 4 ans ». Ils avaient parfaitement raison. C'est insoutenable, la valorisation financière. Et pourtant, la crise financière n'a pas eu lieu.
Pourquoi la crise financière n'a pas eu lieu? Parce que les banques centrales et les États plus largement sont intervenus massivement pour soutenir la valorisation financière. On a eu un mini crack l'année dernière en mars 2020 avec la pandémie, et alors que l'économie s'effondrait, les bourses depuis ont très largement récupéré sous l'impact de cette action des banques centrales. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, il se passe que la promesse que s'est faite à elle-même la communauté financière en croisant ses anticipations, cette promesse-là, elle a été validée politiquement par les États, par le biais des banques centrales, qui ont dit « Ok, nous on rachète, nous on soutient, nous politiquement, on va faire en sorte que les profits que vous espériez, ils aient bien lieu. » C'est ça au fond ce qui se joue autour derrière l'action des banques centrales. C'est pour ça que moi je ne suis pas d'accord pour le coup avec une série de collègues keynésiens qui disent qu'il est très important de faire en sorte de renforcer la stabilité financière. Moi je pense qu'aujourd'hui la stabilité financière c'est quelque chose de très dangereux. Aujourd'hui il faut faire décroître la boursouflure de capital fictif pour réouvrir l'avenir, pour dénouer des promesses qui ont été faites. Il faut que les anticipations de profits cristallisées dans les titres financiers soient réduites, soient revues à la baisse. Hein. Et ça, c'est pas la stabilité financière, c'est une forme d'instabilité financière. Alors évidemment, il faut protéger les populations de cette instabilité financière, mais se battre pour la stabilité financière ou la souhaiter même est quelque chose qui, à mon avis, est politiquement contre-productif aujourd'hui. Intéressant ça, mais ça mérite discussion. En tout cas, oui, à régime constant, quoi. C'est ça que tu voudrais dire. Toi, ce que tu dis, c'est qu'il faut créer des institutions, enfin, j'imagine, créer des institutions qui permettraient de faire dégonfler tout ça, quoi. Ouais, il faut faire dégonfler tout ça. Donc, ça, ce n'est pas de la stabilité financière, puisqu'il y a des actifs qui vont être dévalués. Et puis ensuite, évidemment, il s'agit d'avoir des institutions qui permettent d'être, oui, au service de l'économie. Mais le moment actuel, ce n'est pas de se battre pour la stabilité financière. D'ailleurs, j'attire ton attention sur le fait que dans les années 80, dans les années 2010, je ne sais pas si tu te souviens au pire de la crise de la zone euro. Il n'y a pas eu un seul sommet consacré aux questions de social et d'emploi jusqu'à après 2015. Mmh. Et dans toute la première période, donc on a eu 6 années de crise horrible, hein, du point de vue social dans la zone euro. Le mot d'ordre des gouvernements durant toute cette période était la stabilité financière. Mais là, je pense qu'il y avait véritablement une priorité qui s'exprimait. Hein. Et à ce moment-là, il fallait dire, non, la stabilité financière, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est la stabilité sociale, la protection sociale, la défense des revenus de la population et des conditions de vie. D'éviter que la Grèce perde 25% de son PIB en 5 ans, par exemple. Par exemple. C'est ça. Donc, effectivement, là, il y a une bataille. Et puis, c'est vrai que souvent, pareil dans les formations, quand je parle de ces éléments-là financiers, on me dit souvent, mais c'est tellement abstrait. Sauf qu'il y a un élément qui est très concret, c'est quand il y a une crise, ça se traduit très concrètement ensuite dans l'économie réelle. Hein, ça se traduit, du coup, sur l'investissement, ça se traduit sur le niveau de l'emploi, etc. En tout cas, un régime constant, c'est extrêmement concret. Une crise financière, c'est aussi pour ça où je pense qu'il y a... Même dans la notion de capital fictif, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de lien avec le concret, entre guillemets, le réel. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le lire, du moins j'imagine. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le lire, absolument pas. Hein. La dimension fictive, c'est que c'est pas quelque chose qui formellement met en œuvre de la valorisation du capital, c'est une anticipation sur ce processus de valorisation. Donc dans ce sens-là, c'est une histoire, c'est une fiction. Hein. Il faut entendre fictif comme fiction, comme histoire. C'est une histoire qui va guider le comportement des agents. Ouais, non, c'est très un intéressant. Un tigre de papier, mais qui mord. Qui mord très fort, quand il veut. Alors, si tu veux, on continue sur les éléments. La socialisation, une tendance historique de l'accumulation. Dis-nous tout. Ouais, alors, donc, en gros, on a la première idée importante qu'on a vue, c'était que c'était de la valeur en mouvement. Donc là, si on veut, c'est le capital éternel, hein, qui tourne sur lui-même, toujours plus gros, etc. Mais Marx, il a aussi une vision historique du développement du capitalisme. C'est-à-dire qu'il y avait une époque avant le mode de production capitaliste, le féodalisme ou d'autres modes, puis il y aura quelque chose après, hein, pour Marx et le communisme, etc. Mais entre les deux, et ça rejoint l'idée qu'on a vue tout à l'heure, l'idée de critique, c'est-à-dire l'idée de critique de ce qui se passe dans ce système-là, mais aussi de ce dont ce système-là est gros, des promesses dont ce système-là... qu'il contient, des potentialités qu'il contient, il y a donc une forme d'évolution interne au capitalisme. Ce n'est pas une reproduction à l'identique, il y a un changement qualitatif, une évolution interne. Alors, quel est le cœur de cette évolution interne? Alors, Marx est toujours extrêmement fort, c'est-à-dire qu'à la fois, il va pouvoir aller dans le détail des discussions historiques, des situations concrètes, etc., et en même temps, il va être capable de dessiner des grandes tendances très, très fortes, basées sur quelques mécanismes assez simples. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer en quelques...
En quelques mots, le premier moment, et ça tout le monde va le comprendre, c'est qu'au début du capital, il y a une première forme de socialisation. Le capitalisme, finalement, s'est remplacé du travail qui était parcellaire, alors du travail de paysans ou du travail d'artisans, qui étaient donc des petites unités de production, qui étaient du travail qui était individuel, en travail social, dans le sens où il est réalisé en coopération, alors bien sûr sous l'autorité du capitaliste, mais en coopération dans des unités plus larges. Donc, il y a un premier mouvement de socialisation, hein, c'est la transformation, si on veut, de moyens de production qui étaient dispersés, qui étaient épars, en des moyens de production qui sont socialement concentrés dans des grandes unités de production. Voilà. Ça, c'est le premier moment. Ce premier moment, il se poursuit et il s'aggrave. Il s'accentue. Pour quelle raison? C'est que, en fait, pour les capitalistes, faire du profit, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. S'ils ne font pas de profit, ils meurent. S'ils font pas de profit, ils meurent. C'est pour ça qu'il y a une logique impersonnelle dans le système. On a raison de pointer individuellement les milliardaires, leur responsabilité dans la situation actuelle, dans les injustices, le fait qu'ils en profitent personnellement, etc. Mais au-delà d'eux-mêmes, il y a une logique de système. Au-delà des personnes, il y a une logique de système. Et oui. Et donc, alors, cette discipline de cette obligation de faire du profit, eh bien, on peut l'expliquer de façon très simple. C'est que si vous ne faites pas de profit, vous ne pouvez pas investir. Si vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez pas faire des produits qui sont compétitifs, c'est-à-dire qui sont à la hauteur du niveau de développement de vos concurrents. La concurrence oblige à investir pour rester aussi compétitif, diraient les patrons, c'est-à-dire aussi efficace que les concurrents. Et donc, il y a cette logique interne au système qui il faut toujours faire du profit pour investir davantage, pour être plus gros, hein, parce que souvent être plus efficace, c'est être plus gros, c'est avoir des unités plus grandes, des plus importants moyens d'innovation, etc. Et donc, il y a une tendance, hein, Marx a encore une expression qui est très bonne, il dit « un capitaliste en tue beaucoup hein. ». Un capitaliste en tue beaucoup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, finalement, les petits capitalistes se font bouffer par les gros. C'est quand même ça l'histoire dans le temps long du développement du capitalisme. Ouais. Ça m'amène tout de suite un truc, juste pour faire une petite parenthèse. Ouais. Ça complexifie énormément le travail syndical. Parce que quand tu es pris dans ta boîte avec ton capitaliste, ou en tout cas ton morceau de capitalisme qui est ton entreprise, et son patron, ou en tout cas ses grands managers, il y a quand même un élément sur lequel tu butes quand tu es un militant syndical dans une boîte. Hein, c'est que bah, tu es en concurrence avec d'autres, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Et donc du coup, quand tu commences à parler salaire, quand tu commences à parler ne serait-ce que temps de travail, ce que tu veux, bah, en fait, ce qu'on va te mettre en face en permanence, c'est « bah oui, je veux bien, mais on est en concurrence, donc du coup, c'est impossible, puisque si nous, on le fait d'un côté, bah, tu comprends bien qu'en termes de productivité, compétitivité, tu mets ce que tu veux, on va se faire bouffer, quoi. » Et ça, dans les oreilles du salariat, ça parle. Hein. Ça parle pour beaucoup. Alors, le travail qui est très compliqué, c'est que bah, tu es obligé de monter en généralité en disant « oui, d'accord, à l'échelle de l'entreprise, mais il faut raisonner à une échelle interprofessionnelle plus large, etc. » C'est ça, je trouve, qui rend extrêmement difficile le combat syndical. Hein. Et je pense que ça explique aussi beaucoup l'acharnement à détruire les statuts, à détruire tout ce qui faisait des collectifs de travail au-delà de l'entreprise, etc. À se passer de la négociation dans les branches professionnelles, c'est que plus tu te mets en proximité avec ton employeur, plus le combat devient difficile, quoi. Excuse-moi, c'était juste une petite parenthèse là-dessus. Mais... Non, ça, c'est extrêmement important. Hein. C'est extrêmement important. Et c'est aussi pour ça, je renvoie à la citation de Luxembourg tout à l'heure, c'est l'idée que, au fond, face au capitalisme, il y a la nécessité d'une perspective politique. La pure lutte économique finit par buter. Il y a un moment donné où on n'y arrive pas. Il faut être capable il faut être capable, c'est facile à dire, mais... pour combattre le capitalisme, il y a en jeu les institutions, la manière dont ça s'organise, et en particulier la concurrence, hein, qui est quelque chose qui doit être combattu politiquement, mais qui économiquement est effectivement une limite. Alors, on peut quand même dire plusieurs choses là-dessus. Hein. La première chose, effectivement, c'est que les institutions qui accentuent la concurrence sont des institutions qui ont été développées sciemment et à la demande des grandes firmes au cours des dernières décennies. Et on peut imaginer des formes de restriction de la concurrence, de régulation de celle-ci ou de baisse de celle-ci qui permettent de davantage protéger les salariés. Tu évoquais à l'instant la question des conventions collectives, évidemment, c'est quelque chose de décisif. Si tout le monde à l'intérieur d'une branche a les mêmes minima sociaux, les mêmes plans de carrière, les mêmes niveaux de rémunération, etc., eh bien voilà, et là, il y a une sécurité collective pour les salariés de cette branche-là. C'est absolument stratégique. Totalement. Donc là, c'est le premier élément. Face à ce discours de la compétitivité, il y a l'idée du changement institutionnel pour se protéger de la concurrence et pour avoir justement des institutions qui protègent les statuts sociaux. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, le capitalisme, il ne va pas très bien parce qu'il n'investit pas beaucoup.
C'est-à-dire que c'est difficile aujourd'hui d'expliquer qu'il faut être compétitif alors même qu'on a un capitalisme qui est en train qui distribue énormément d'argent aux actionnaires sous forme de dividendes et qui globalement investit très peu. Donc il y a aussi ça nous envoie à la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, qui est une situation de crise fondamentale du capitalisme, dans le sens où ce serait plutôt qu'une crise brutale et abrupte, c'est plutôt une espèce de grande fatigue, hein, j'utilise ce terme tout à l'heure, c'est-à-dire de perte de cette énergie fondamentale qui est celle de l'investissement sous la discipline de la concurrence. Ouais. Et donc là, il y a quelque chose qui est difficile à tenir, et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse en termes de formes de monopolisation qui existent aujourd'hui au sein du capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a des très grandes firmes qui sont des têtes de réseau, qui mettent en concurrence effectivement les sous-traitants ou les entreprises de second rang, mais qui en tête de réseau sont capables de contrôler l'accumulation, bien sûr, de centraliser le profit et qui ne savent pas tellement quoi en faire. C'est particulièrement vrai en France, hein, où on rappelle souvent qu'il y a 500 firmes, enfin 500 groupes, qui font 40% de la valeur ajoutée, et je trouve que avoir ça en tête en permanence, c'est vraiment énorme, quoi. Et on voit en fait pour moi le potentiel de planification avec ça. Ouais, absolument, absolument. Et alors là, donc, tu en arrives, Mathieu, tu anticipes sur Marx, qui dit en fait, lorsqu'on arrive, d'abord, on a vu que ça a commencé avec une histoire d'expropriation, hein. Les petits artisans, les paysans, ça se font exproprier par des entreprises de plus en plus grandes, mais au bout d'un moment, lorsque le pouvoir économique devient extrêmement concentré, il ne fonctionne plus très bien en termes de concurrence. Il y a quelque chose de dysfonctionnel. On se retrouve avec des situations où les rentes deviennent générales, où l'investissement est insuffisant et où finalement, eh bien, l'enveloppe craque. C'est un peu ça l'intuition de Marx. Alors, ce n'est pas quelque chose de magique, c'est politiquement que ça se joue, mais c'est là où il fait un geste politique. Il dit, voilà, ce moment-là, c'est le moment où la centralisation des moyens de production, la socialisation du travail est tellement importante qu'elle devient incompatible avec leur enveloppe capitaliste. Et ce moment-là, c'est le moment de l'expropriation des expropriateurs. Ça se renoue, c'est-à-dire que la société trouve finalement des moyens économiques qui sont déjà extrêmement concentrés et peut s'en saisir pour s'organiser elle-même. C'est un peu ça le mouvement général que dessine Marx. Alors, peut-être qu'il faut discuter un tout petit peu empiriquement de cette chose-là. Parce qu'on voit bien la monopolisation qui se développe jusque dans les années 70. Et on a bien ce mouvement de monopolisation dans tous les pays riches, en tous les cas. Et puis, à partir des années 80, on voit des politiques de libéralisation, une augmentation de la concurrence à tous les niveaux, quelque chose qui s'accompagne du discours néolibéral puis du discours néo-schumpeterien. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit de nouveau? On voit de nouveau se former des monopoles, en particulier dans le secteur du numérique, mais pas seulement. Et donc, je pense qu'il faut penser, si on veut avoir un geste un peu, sans doute, trop rapide, mais qui permet de saisir l'idée, c'est qu'on a bien ce trend général de socialisation croissante, avec des processus qui sont de plus en plus imbriqués les uns dans les autres, des centres de contrôle économique qui sont de plus en plus concentrés. Mais on a eu un mouvement qui a fait une forme de qui a eu une respiration lorsqu'il y a eu la mondialisation. Il y a eu ce moment d'ouverture qui, du coup, a réimpulsé de la concurrence. Et là, on est dans une phase où la monopolisation se refait, mais à une échelle très largement internationale. Donc, on retrouve ce moment-là, mais on serait dans une phase, si tu veux, de monopolisation globale. Oui, bah ça, c'est ce que tu montres bien dans ton bouquin, hein, sur ce que c'est l'économie numérique, justement, aujourd'hui. Ce moment de monopolisation extrêmement important. Mais alors, peut-être qu'on anticipe un peu trop sur ce que tu veux dire là-dessus après. Non, mais je pense qu'on arrive à ce moment, exactement à ce moment. C'est-à-dire, pour revenir sur la citation qu'il y avait au début, c'est-à-dire l'idée que c'est dans le présent qu'on trouve des germes de ce qui peut être dans le futur. Si on garde à l'esprit cette remarque de Marx, qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui, dans le présent, de choses qui peuvent augurer du futur? Alors, il y a des choses qu'on voit depuis longtemps. Des choses qu'on voit depuis longtemps, c'est qu'il existe des coopératives, des formes alternatives d'organisation, etc., qui subsistent au sein du capitalisme, qui sont des poches au sein du capitalisme. Mais on a aussi des poches un peu différentes, comme la protection sociale, par exemple. Le système de protection sociale. La sécurité sociale. La sécurité sociale, évidemment. La sécurité sociale, pas la protection sociale. La sécurité sociale ou les services publics. Bon, ces choses-là sont des choses qui fonctionnent, si on veut, à la marge de la logique du capital, à côté de la logique du capital, selon des principes qui sont différents de celui-ci, et qui donc, d'une certaine manière, préfigurent ce que pourrait être un autre mode de production. Et Marx, d'ailleurs, il a beaucoup insisté sur le rôle des coopératives comme quelque chose qui, finalement, était une forme d'anticipation. Il dit la chose suivante, il dit que c'est une forme de suppression du mode de production capitaliste à l'intérieur du mode de production capitaliste lui-même.
Pourquoi il dit ça? Parce que, eh bien, dans les coopératives, la subordination au capital, la dictature, hein, il parle de dictature dans les usines, hein, de despotisme dans les usines, bah, ce despotisme-là, il est remis en cause par les coopératives. Bon. Donc, il y a une forme de sortie du capitalisme dans le capitalisme. Bon. Il n'en parle pas seulement de ce côté-là. C'est ça qui est aussi intéressant. Ce n'est pas seulement les coopératives qui seraient la version positive, inachevée, évidemment, je reviendrai là-dessus dans un instant, mais positive. Il y a aussi des formes négatives qui existent au sein du capitalisme. C'est quoi? Bien, finalement, les grandes entreprises par action, c'est des formes de socialisation gigantesque. Hein, lorsqu'on pense à des entreprises qui, comme Amazon, emploient plus d'1 million de personnes, ou Walmart aujourd'hui, bon, c'est des entreprises qui ont une surface extrêmement importante et qui fonctionne aussi comme capitaliste collectif. Bon, les sociétés par action sont des formes de capitalisme collectif. Il n'y a plus du tout le lien direct entre le propriétaire et l'actionnaire, le propriétaire et le manager, le capitaliste actif. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont finalement assez étranges par rapport à la logique du capitalisme lui-même, hein, puisqu'il y a des gens qui sont propriétaires, mais qui sont dispersés, qui ne contrôlent pas vraiment. Puis il y a des managers qui sont les mains dans le cambouis, mais qui formellement sont salariés. Donc là, on voit quelque chose qui finalement ne serait pas si différent que ça si on pouvait directement contrôler les organisateurs. C'est l'hypothèse cadriste que formule par exemple Duhamel et Lévy. Mais je voudrais aller encore plus loin, Mathieu, et peut-être être un peu provocateur au point de s'interroger sur finalement la proximité peut-être d'une transformation du mode de production. Hein. En tous les cas, on peut spéculer sur cette idée-là. Mmh. Si on sait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, trois grands fonds d'investissement, hein, qui sont BlackRock, Vanguard et Fidelity, qui sont les principaux actionnaires de la bourse aux États-Unis. C'est assez impressionnant. J'ai vu ça aujourd'hui sur une vidéo d'Olivier Passet. Je vais la mettre tout de suite sur le chat parce qu'il rappelle ça fort justement sur Xerfi Canal, c'est l'occasion. C'est effectivement très important parce que c'est trois grands fonds d'investissement qui en fait font essentiellement de la gestion passive, c'est-à-dire qu'ils centralisent de l'épargne, des fonds de pension, de différentes banques, de la société d'assurance, etc. Et ils mettent ça tous ensemble directement en bourse en se contentant de suivre les cours de la bourse. Mais aujourd'hui, ils sont tellement importants qu'à eux trois, ils contrôlent plus de 80% des grandes entreprises cotées aux États-Unis. Incroyable. Donc ça veut dire que trois entreprises, avec chacune un PDG en haut, contrôlent techniquement, sont les propriétaires techniquement, jouent le rôle de propriétaires en tous les cas, de la plupart de l'économie américaine. Alors là, on est sans dessus-dessous par rapport à la logique de concurrence dont je parlais tout à l'heure. Bien sûr. Où est la discipline de la concurrence pour inciter à investir? Et oui. Pas du tout là. Et alors là, on peut spéculer à l'infini. Alors évidemment, on n'y est pas, mais si on réfléchit vraiment, ça veut dire que ces propriétaires-là n'ont pas intérêt à penser à chacune des entreprises et chacun des profits de leurs entreprises, mais ils ont intérêt à penser aussi aux profits pour le système dans son ensemble. Et au fond, ils seraient incités à se déplacer, hein, de dépasser l'irrationalité du système qui est associé au chaos de la concurrence, au gaspillage de la concurrence, etc. Alors, on n'en est pas là, malheureusement. Il y a eu des spéculations là-dessus. Il y a eu un papier de Bloomberg l'année dernière qui disait « Eh bien, on va avoir la vérité. » Puisque ces grands fonds capitalistes contrôlent l'essentiel de l'économie, ils doivent se comporter de manière rationnelle. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être pour que les vaccins soient immédiatement disponibles et de manière gratuite. Puisque finalement, l'impact de la pandémie est négatif pour l'économie en général. Et vu qu'eux, ils représentent l'intérêt de l'économie en général, eh bien, ils ne représentent pas les intérêts particuliers des différentes sociétés pharmaceutiques. Ben, ce n'est pas ce qui a eu lieu. Hein. Donc, pourquoi ça n'a pas eu lieu? Ben, parce qu'effectivement, le processus n'est pas au bout, parce qu'il y a malgré tout une forme d'hétérogénéité qui subsiste dans les actionnaires, etc. Mais on voit que là, on touche quand même une transformation qui est vraiment, très importante. Je pourrais donner un autre exemple. Hein. Au Japon, le principal actionnaire de la Bourse du Japon, c'est qui? C'est la Banque centrale japonaise qui rachète elle-même directement des actions. Et oui. Donc, il y a des formes de socialisation de la propriété capitaliste qui sont extrêmement avancées aujourd'hui. Mmh. Alors ça nous interroge sur le devenir de ce système. La gauche a beau être faible, du point de vue du développement du système lui-même, il y a des choses qui sont de l'ordre d'un dépassement du système au sein de celui-ci. Mmh. Ouais, non, complètement, ça amène à penser. Mais alors du coup, tu parles un peu de forme de transition potentielle. Qu'est-ce que tu entends, toi, par techno-féodalisme? Pourquoi se référer à la notion de féodalisme? Pourquoi est-ce que tu as eu besoin d'aller chercher ça? Alors, effectivement, mon livre s'appelle Techno-féodalisme et le sous-titre, c'est Critique de l'économie numérique. Et l'idée de techno-féodalisme, c'est finalement une hypothèse pour qui est une forme de contrepoint, si on veut,
avec l'hypothèse de la nouvelle économie, d'une régénérescence du capitalisme par le numérique. La grande histoire des années 90, qui est en fait celle que nous sort aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est l'idée de la Startup Nation, c'est l'idée que voilà, le numérique permet de baisser les coûts de transaction, donc ça permet qu'il y ait davantage de concurrence sur les marchés, donc davantage d'innovation, et donc le capitalisme tel que je vous l'ai décrit classiquement tout à l'heure, avec la concurrence qui force à investir et qui du coup génère une expansion rapide, va se régénérer. Bon. Cette fable-là ne s'est pas du tout réalisée. Il y a eu un moment de transformation important, c'est vrai, mais très rapidement, on a vu les startups devenir de féroces monopoles, donc de sympathiques jeunes pousses. Elles se sont transformées en monstres terrifiants à bien des aspects. Et c'est pour essayer de penser ça que je mobilise le concept de technoféodalisme. Alors, peut-être deux mots là-dessus. D'abord, rappeler le fait que c'est un concept qui vient du cyberpunk. C'est quelque chose qui se développe donc, à peu près au même moment où émerge cette utopie extrêmement optimiste autour du numérique. Il y a dans la culture cyberpunk une contre-pensée, si on veut, une contre-imagination qui voit au contraire dans cette évolution une forme de retour en arrière à des formes nouvelles de féodalité. Et dans l'univers cyberpunk, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'il y a des entreprises géantes qui, en fait, survivent dans un environnement chaotique et qui contrôlent plus ou moins leurs stakeholders, leurs parties prenantes, c'est-à-dire leurs clients, leurs salariés, et qui les forcent à dépendre de celles-ci et qui, donc, les gardent sous leur joue, si on veut. C'est une espèce de citadelle. C'est pour ça qu'il y a un parallèle avec le féodalisme, c'est que les États se délitent, des grandes entreprises structurent un ordre chaotique, si on veut. Bon. Alors, pourquoi c'est parlant aujourd'hui ? Eh bien, c'est parlant pour, je dirais, trois raisons. La première raison, c'est qu'il y a de plus en plus des formes de confusion entre le politique et l'économique. Des formes de confusion entre le politique et l'économique qu'on peut voir d'abord dans le rôle politique de premier ordre que jouent justement les géants du numérique, Facebook dans les débats publics, Twitter qui censure Trump, etc. Donc il y a une forme d'immixtion politique relativement forte, mais peut-être de manière plus importante encore, dans le fait que ces géants du numérique font du profit en vendant leur capacité à prévoir nos comportements. Et leur capacité à prévoir nos comportements, voire à guider nos comportements, est quelque chose qui, du coup, est extrêmement hybride, puisque là, on se rend bien compte que c'est du pouvoir sur les hommes dont il s'agit, et pas seulement d'un pouvoir économique sur les choses. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du gouvernement des humains. Donc ça, c'est la première idée, si on veut. Autour du numérique se joue quelque chose qui dépasse l'économie, qui a une logique profondément politique de gouvernement des humains. La deuxième idée, c'est l'idée de rapport de dépendance. Dans, à l'époque féodale, les serfs sont dépendants du seigneur, ils sont attachés à la glèbe féodale, ils ne peuvent pas s'échapper. Bon, et la dépendance aujourd'hui est extrêmement présente. Les travailleurs des plateformes, si on pense au travers de la gig economy, aux livreurs de chez Deliveroo, etc., alors ils essayent de sortir de ça, ils essayent de créer des coopératives, et c'est extrêmement positif, et j'espère que ça va marcher. Mais il y a une vraie difficulté qui est que ces plateformes disposent d'informations sur leurs utilisateurs qui font que lorsqu'on achète un service de livraison à domicile, eh bien on achète plus que ça. On n'achète pas seulement le déplacement d'un plat à un autre endroit, mais on achète aussi la mise en lien de notre historique de comportement avec les autres et le fait que donc ce qui va nous être proposé va être ajusté au mieux par rapport à notre comportement passé. Donc là, les travailleurs de ces plateformes-là ont une difficulté aujourd'hui à inventer un modèle coopératif, et je pense que c'est possible de le faire. Je sais qu'il y a des initiatives qui avancent dans ce sens-là, c'est très bien, mais il y a néanmoins une difficulté autour de ces rapports de dépendance. Mais si on regarde au-delà de ça, si on regarde Google, qui peut vivre aujourd'hui sans Google ? Ma mère, elle utilise très peu Internet, elle a bientôt 80 ans, elle s'en tire pas mal, elle a une vie qui est riche, bon, tout va bien pour elle. Mais quand même, pour la plupart d'entre nous, le coût de se retirer de ces services numériques est extrêmement important. On devrait le payer avec une forme de marginalité. Bon. Et donc, c'est quelque chose qui, dans ce sens-là, rappelle ces liens de dépendance extrêmement forts. Et puis, la troisième dimension, c'est que aujourd'hui, les grandes entreprises, ces grandes entreprises du numérique, mais au-delà, on peut penser aussi dans l'industrie, aujourd'hui, il y a une bataille pour le contrôle sur les données, pour le contrôle sur les flux d'informations qui ne traversent pas juste les entreprises du numérique, mais qui vont dans la grande distribution, avec Walmart, qui est extrêmement avancé dans ses services numériques, dans l'industrie, avec l'industrie 4.0, et des entreprises comme Siemens, qui sont leaders dans ce secteur-là. Il y a l'idée, finalement, de conquérir des positions à partir desquelles on peut contrôler les données, et à partir du moment où on contrôle les données, on peut contrôler les marchés, on peut contrôler l'innovation, il y a une logique de contrôle. Et cette logique de conquête, d'investissement, non pas pour la production, pour créer des marchandises plus performantes, mais pour
occuper des positions de contrôle, finalement rappelle hein, la logique de conquête des seigneurs féodaux qui se faisaient la guerre pour conquérir des territoires. Il y a une logique de prédation, de jeu à somme nulle, où ce qui est véritablement en jeu dans les batailles qu'on observe aujourd'hui, c'est des batailles pour le contrôle plus que des batailles pour la production. Donc ces éléments-là nourrissent hein, ce que j'appelle une hypothèse techno-féodale qui permet de comprendre à la fois comment on a une transformation qualitative du capitalisme contemporain en quelque chose de différent, hein, qui est différent notamment parce que la logique économique qui l'anime n'est plus exactement la même, mais aussi qui se manifeste très concrètement par une tendance à la stagnation marquée depuis des années. Alors, ça ne veut pas dire que c'est irréversible, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cette potentialité-là, mais il y a quelque chose de l'ordre de cette tendance techno-féodale dans le capitalisme contemporain, et c'est ce que j'essaie d'explorer dans le livre. Mais est-ce que tu ne contribues pas, en fait, à penser le régime d'accumulation, pour parler un peu comme les régulationnistes, du coup, d'après ? C'est-à-dire que c'est un peu ce que dit Robert Boyer, pour le coup, quand on lit son dernier bouquin, il dit « bon, ben voilà ». Faut pas croire que ça veut dire que d'un seul coup le capitalisme va sortir en énorme crise derrière. Ça peut aussi être le moment de sa recomposition vers un nouveau régime quoi, qui serait tiré notamment par les plateformes, etc. Qui serait administré différemment avec des compromis institutionnels différents. Pour moi, il y a matière à penser ça parce que est-ce qu'on risque pas en se disant bon, bah, si on a à peu près sûr qu'il y a une crise puisque la productivité baisse tendanciellement de manière, est-ce qu'on risque pas de reproduire des erreurs qu'on a peut-être pu commettre historiquement? En se disant, bon, ça y est, cette fois, c'est la bonne. Alors, moi, je n'ai pas dit ça. Je fais attention systématiquement à ne pas dire ça. C'est-à-dire je suis provoquant exprès. Hein. J'identifie une potentialité, une logique qui peut se développer et l'histoire est ouverte. C'est-à-dire l'histoire est ouverte à des formes de régénération du capitalisme sous la forme de compromis institutionnalisés, ce qu'évoquerait par exemple Boyer, ou de crises extrêmement fortes, ou pourquoi pas, hein, de transition éco-socialiste, voilà, ce qui serait évidemment éminemment souhaitable. Donc l'histoire n'est pas fermée. Mais je pense que penser cette possibilité-là d'une forme de régression en deçà du capitalisme, avec une forme de mode de production extrêmement inégale, avec des formes de contrôle politique extrêmement fortes qui iraient de pair avec des inégalités très fortes et une perte de dynamique productive, eh bien, c'est quelque chose qui existe aussi, qui fait partie du champ des possibles et qu'il faut avoir à l'esprit. Ça permet aussi de faire le lien avec tous les travaux d'autres marxistes intéressants comme Sweezy, Baran et Sweezy, hein, le travail sur le capitalisme monopoliste, dans lequel ils mettaient l'accent sur cette logique de suraccumulation. C'est-à-dire que les capitalistes monopolistes font tellement de profits qu'ils n'ont plus d'opportunité d'investir pour réaliser autant de profits qu'auparavant, et du coup, cessent d'investir, hein, et donc stérilisent cet argent sous forme de financiarisation, par exemple. Et on se retrouve avec des traits qui sont assez, pour certains, sont assez parlants pour le contemporain. Alors, on peut avoir Amazon qui investit aujourd'hui massivement parce qu'elle est en train de conquérir des positions de monopole, mais dans le même temps, on a Google ou encore plus Apple qui ont des réserves de cash énormes, qui investissent finalement relativement peu par rapport à leurs profits. Et ça, comment expliquer ça, hein ? Il y a quelque chose qui me semble important ici. C'est un truc qu'on n'a pas dit, mais qu'on pourrait peut-être dire en deux mots. C'est la grande différence entre Keynes et Marx, elle est là. Hein, c'est que pour Keynes, les crises, ça vient d'un déficit de demande, quoi, c'est ça l'idée. Alors que chez Marx, pour le coup, c'est bien. Il y a une suraccumulation quoi, qui va produire de manière un peu endogène, pour utiliser des gros mots, ces crises. Je pense que c'est ça. Pour moi, en fait, il y a des liens entre les deux. Hein, c'est qu'en fait, l'insuffisance de la demande, elle est aussi liée à une suraccumulation, notamment d'épargne, pour le coup. Je pense qu'il y a des liens à penser comme ça. Mais effectivement, c'est, en tout cas de manière schématique, c'est un peu la grande différence entre Marx et Keynes, quoi. Oui, il y a celle-ci. Il y a effectivement le fait de penser le déficit de la demande comme un moment de la suraccumulation. Ça serait ça la perspective marxiste. C'est absolument juste. Et puis, un deuxième élément qui me semble qui est très important tout de même, c'est la perspective historique de transformation du mode de production. Cette idée que cette manière d'organiser la société avec des capitaux qui doivent s'accumuler, une concurrence qui discipline tout le monde comme étant la logique, une logique immuable, c'est l'univers finalement, malgré tout, au sein duquel évolue Keynes. Alors certes, il va favoriser des formes de régulation de cette mécanique-là, mais cette mécanique, d'une certaine façon, est indépassable chez Keynes. Alors que chez Marx, il y a vraiment l'idée d'aller au-delà de cette mécanique-là, d'aller au-delà de, justement, de quoi ? De la forme marchandise. Et c'est peut-être la notion dont on n'a pas encore discuté, qui est une notion difficile, mais qui est... Quelle belle transition, je n'ai même pas besoin de le faire, je le fais tout seul. Alors, marchandise qui est le début du capital, c'est le premier chapitre, c'est même pratiquement les premiers mots, et pourtant, c'est peut-être ceux qui sont les plus difficiles à comprendre, donc du coup, c'est effectivement le moment de passer par là maintenant. La marchandise. Oui, alors on va essayer de dire deux mots sur la marchandise en essayant d'être pas trop complexe et d'essayer de comprendre l'idée fondamentale.
L'idée fondamentale, je pense qu'il y a chez Marx quelque chose, et c'est un sociologue comme Michael Lowy qui l'explique très bien, hein, il y a quelque chose qui est de l'ordre du dégoût vis-à-vis du monde tel qu'il est créé par le monde capitaliste. Quelque chose qui est de l'ordre du dégoût et qui, d'une certaine façon, peut évoquer une tradition qui est présente dans le romantisme allemand au XIXe siècle. Bon. Pourquoi, c'est quoi ce dégoût? Ce dégoût, c'est l'idée que le monde tourne autour de la valorisation, et la valorisation, c'est finalement une forme de réduction de l'existence humaine à quelque chose qui est mesurable en termes de prix, en termes de valeur marchande. Et cette misérable valeur du monde est à la fois un appauvrissement fondamental de la richesse de ce qu'est la nature, de ce qu'est l'existence humaine, etc. Donc, au fond de la critique de Marx, il y a cette critique-là. C'est une critique de la catégorie de valeur marchande comme quelque chose qui guide le monde tout en le guidant de manière extrêmement dégradée, si on veut. C'est de l'information dégradée. Il limite les Alors, potentialités humaines, quoi. voilà, exactement. Alors, peut-être qu'on peut dire, avant d'aller plus loin, on peut peut-être dire deux mots de ça, parce que il y a un débat extrêmement intéressant autour de ça. C'est l'inverse d'Hayek. Hayek, il dit, c'est super les prix, c'est super le marché, parce que justement, les informations que donnent les prix, on est incapable de les processer autrement. Et Marx, il dit l'inverse. Il dit, le capitalisme mesure et organise la vie sociale, la complexité de la vie sociale à travers le mécanisme de prix, mais ce faisant, il le fait au prix de destruction considérable et d'un gâchis énorme d'existence humaine. Mais les deux ont en commun de souligner ce rôle informationnel des prix. Alors, c'est pour être laudateur vis-à-vis de ça chez Hayek, alors que chez Marx, c'est au contraire pour critiquer le caractère extrêmement pauvre, finalement, de cette mesure du monde. Alors, on pourra discuter peut-être davantage de ça tout à l'heure, mais je vais peut-être revenir plus précisément sur la notion de marchandise chez Marx. C'est deux choses, la marchandise. La marchandise, c'est d'abord une valeur d'usage. La marchandise, c'est quelque chose un produit qui va se vendre. Ben voilà, je reprends l'exemple des chaussures. Une chaussure, pour qu'elle devienne une marchandise, il faut qu'elle soit vendue, qu'elle ait un prix. Il faut qu'elle soit vendue. Donc, c'est à la fois, elle sera vendue à la fois parce qu'elle sert à quelque chose, elle sert à vous chausser, elle permet de marcher confortablement. Et en même temps, c'est quelque chose qui a une valeur d'échange, puisqu'elle a un prix. Et donc, elle va être produite en vue de la valeur d'échange. Et alors, Marx insiste beaucoup sur cette idée-là, hein, cette distinction entre valeur d'usage et valeur d'échange. La valeur d'usage, c'est quelque chose qui se réalise sans échange. C'est une forme de rapport immédiat entre un être humain et une chose. Bien, si vous, je ne sais pas, si vous êtes bricoleur, si vous faites de la couture, si vous avez un rapport immédiat à la chose que vous faites. Vous la connaissez, vous vous lancez dans un projet, vous vous réalisez dans cette activité-là. Bon. Ce n'est pas du tout la même chose que de réaliser cette activité-là en vue de la vendre. Et c'est encore moins la même chose, évidemment, que de réaliser une activité répétitive ou une petite parcelle d'un produit qui va être vendu par quelqu'un qui a réalisé ce projet-là et qui en profitera économiquement. Bon. Donc, on voit cette distinction, hein. La valeur d'usage, c'est quelque chose d'un rapport immédiat, alors que la valeur d'échange, c'est la valeur qui ne se réalise qu'au moment de l'échange, et elle est finalement beaucoup moins riche, hein, du point de vue du rapport de l'investissement que chacun peut le faire. Et donc, ce qui caractérise le capitalisme, c'est que c'est un système marchand. Alors, donc, là-dessus, il y a des travaux récents, par exemple, d'André Orléans, qui sont très intéressants sur qu'est-ce que c'est qu'une économie marchande, bon, quel est le rapport au capitalisme, etc. Mais fondamentalement, hein, le capitalisme est un système marchand dans le sens où le travail social ne devient social que lorsqu'il est réalisé au moment de la vente, au moment de la vente, hein, c'est-à-dire au moment où il se transforme en marchandise. Les besoins, tout le monde dépend du marché. C'est une autre manière de dire la même chose. C'est qu'aujourd'hui, eh bien, on doit vendre sa force de travail, on doit être embauché pour pouvoir payer son loyer, pour pouvoir faire ses courses dans un supermarché, pour pouvoir se payer des loisirs. Il y a une dépendance générale au marché. Et cette dépendance générale au marché est fondamentalement le règne de la marchandise. C'est encore une autre façon de dire la même chose. Autrement dit, hein, des marchandises, c'est quoi? C'est des choses qui sont utiles, mais produites en vue de l'échange. Alors, peut-être qu'on peut en dire un petit peu plus. Et c'est là où on retrouve ce que disait Hayek. C'est que la logique du marché, le fonctionnement de la marchandise, c'est une logique de coordination sociale. C'est un mécanisme fondamentalement de coordination sociale. Et c'est finalement et là aussi, c'est une différence avec la MMT sur quel est le rôle de la monnaie. La MMT, c'est la Modern Monetary Theory.
Donc c'est une théorie contemporaine qui inspire en partie l'aile gauche du Parti démocrate aux États-Unis, mais qui a aussi beaucoup de gens qui sont intéressés par cette théorie en J'ai France. promis de faire un live dessus un jour. Il faut que je prenne le temps de le faire. J'ai quelques critiques, moi. Mais bien sûr, moi aussi j'ai des critiques. Mais alors je pense d'abord que c'est très bien, et une fois qu'on a dit que c'est très bien, on fait des critiques. C'est ça. Dans ce sens-là. Mais je vais pas développer pourquoi c'est très bien, je vais simplement dire un point qui, sur le plan théorique, distingue la MMT de la théorie marxiste de la monnaie. C'est que pour la MMT, au fond, c'est l'État qui est à l'origine de la monnaie. C'est l'État qui valide la monnaie, c'est l'État qui crée la monnaie, et finalement, l'État n'a pas vraiment de limite dans son pouvoir monétaire. Ce n'est pas le cas chez les marxistes. Chez le marxiste, ce qui est à l'origine de la monnaie, c'est la marchandise. Et c'est quoi la marchandise? C'est la séparation des travaux privés en procès de travaux qui sont distincts. Quelque chose qui c'est cette scission, si on veut, qui est le résultat de la division du travail dans la société. Au fond de la monnaie, il y a la séparation des travaux privés, il y a la division du travail dans la société chez les marxistes. Et donc, c'est seulement à travers, dans le capitalisme et dans les sociétés marchandes, c'est seulement à travers l'échange que finalement les travaux privés trouvent sens. Donc, dans ce sens-là, il y a là quelque chose de tout à fait fondamental. La monnaie chez les marxistes, c'est d'abord la marchandise, et la marchandise, c'est d'abord la séparation des travaux qui s'ignorent les uns les autres, des travaux privés. Alors, on peut rendre ça très concret. On peut rendre ça très concret, parce que cette séparation, c'est un aveuglement. C'est quelque chose qui fait que, dans notre mode de vie quotidien, eh bien, c'est très difficile de savoir quels sont les effets de notre mode de vie, quels sont les effets de notre consommation. En quoi ça contribue à des standards sociaux qui sont dégradés, en quoi ça contribue à une dégradation de l'environnement, quelles sont les implications de mes actes de consommateur pour les autres autour de moi, et puis qu'est-ce qui me revient d'ailleurs en tant que consommateur de mon propre comportement. Et même en tant que producteur, ça veut dire que tu oublies aussi ta place dans le processus de production permanence, que c'est invisibilisé aussi. Exactement, exactement. Il y a une forme de séparation entre la consommation et la production qui est associée à cette généralisation de la marchandise. Et pour Marx, cette séparation, c'est une forme d'aveuglement. C'est une forme d'aveuglement, c'est une forme d'ignorance de la société vis-à-vis d'elle-même, une forme de... c'est la source fondamentale, finalement, des mécanismes de destruction et d'oppression qui sont associés au système capitaliste. C'est parce que la société ne se rend pas compte de ce qu'elle se fait à elle-même, elle se rend aveugle, elle transforme en choses les rapports que les individus ont entre eux, ils prennent la forme de rapports entre des choses. Et cette forme de rapport entre des choses, rapport entre marchandises, est quelque chose qui est à l'origine de l'ignorance fondamentale dans laquelle nous gouvernons notre système économique. Là encore, il y a une citation qui dit cette idée-là de manière... très clair, le rapport des hommes entre eux-mêmes prend pour eux la forme fantasmagorique d'un rapport entre choses. On ne se rend pas compte que les actes qu'on a en ce comportement, en utilisant l'argent, en dépensant de l'argent, en mobilisant cette forme marchande, on voit des rapports entre les choses, alors même que là, il y a des rapports entre les êtres humains, mais qui nous sont rendus invisibles. Oui, oui. Et donc ça, c'est évidemment très important. C'est évidemment très important parce que ce qu'on retient souvent, et ce que je pense que toi, en tant que syndicaliste, c'est quelque chose qui te parle sans doute, c'est l'idée que une idée centrale chez Marx et puis dans le mouvement ouvrier en général, c'est l'idée de lutter contre l'exploitation, l'injustice économique fondamentale qui est à la source des inégalités extraordinaires qu'on voit aujourd'hui. Et ça, c'est évidemment extrêmement important. Mais il y a une idée qui est au moins aussi importante, peut-être même encore plus importante chez Marx, c'est cette idée de l'ensorcellement de la coordination marchande. Et qu'au fond, le dépassement du capitalisme, le fait d'aller vers un autre système de production, d'être davantage conscient à nous-mêmes en tant qu'humanité, c'est quelque chose qui passe par le dépassement de la marchandise. Alors, quel est ce dépassement de la marchandise? Eh bien, Marx, finalement, on n'a pas parlé beaucoup. Il a dit dans quelle direction il fallait aller, mais il est resté extrêmement prudent quant au mécanisme précis. Alors, il est prudent parce qu'il refuse cette idée de faire une forme de socialisme en chambre où on fait c'est pour ça que je vous ai cité son texte de 1845, donc quand il est encore très jeune,
Déjà à cette époque-là, il dit le but, ce n'est pas d'imaginer un système futur parfait, mais c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la société telle qu'elle existe, de potentialité pour le futur. Et donc, il restera fidèle à cette ligne directrice et il ne va pas donc beaucoup élaborer sur ce moyen de dépasser la marchandise. Mais il évoque quand même quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Eh bien, ce quelque chose, c'est la planification, hein, c'est le plan. C'est l'idée. Alors, il dit, qu'est-ce que c'est le plan? Alors là, c'est une citation qui est tirée aussi du livre 1, mais on retrouve ses développements dans ses écrits sur la Commune. Par exemple, il y a un livre qui vient de sortir sur la Commune d'écrit de Marx et Engels, qui est précédé par une préface de Stathis Kouvelakis, que vous voyez peut-être là, hein, sur la Commune de Paris. Voilà, sur la Commune de Paris, Karl Marx et Friedrich Engels. Donc, il y a beaucoup de textes là-dessus, une introduction de Kouvelakis. Et il explique un peu le rapport entre coopérative et planification, justement, tel qu'il le voit être en discussion, hein, dans la Commune de Paris. Pour moi, ça, c'est fondamental, cette articulation. Moi, à mon avis, c'est là où on débloque tout pour la suite, quoi. Si on est capable de penser l'articulation entre ça, coopérative et planification, je pense qu'on a vraiment quelque chose d'extrêmement cohérent, mais bon, ça, c'est mon petit point de vue là-dessus. Non, c'est un point de vue en tout cas que je partage, qui est éminemment respectable, mais c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le caractère extrêmement centralisé du pouvoir du capital aujourd'hui dans les fonds d'investissement, qui fondamentalement nous mettent à portée de main, hein, un contrôle politique sur quels seraient les critères par lesquels nous pourrions organiser notre économie. Il y a cette dimension extrêmement centralisatrice. Mais là encore, comment faire revivre la dimension coopérative? On voit qu'il y a une tension, et donc c'est une source de discussion importante. Mais bon, voilà, peut-être pour insister sur cette idée, c'est que l'envers de la marchandise, c'est le plan, hein, la marchandise, c'est la sorcellerie, et le plan, c'est le désensorcellement, si on veut, c'est la capacité de faire disparaître, dit Marx, tout le mysticisme du monde de la marchandise. C'est ça qu'il cherche, au fond, à travers cette idée de plan, et c'est effectivement une idée qui, à mon sens, est très actuelle. Ah oui, t'as écrit sur le plan, notamment avec quelqu'un qu'on a déjà cité sur ce live, Razmik Keshayan, Moi, je pense qu'il y a un geste qui a été très fort et que c'est un truc qui fonctionne beaucoup aussi quand on parle dans des formations syndicales, c'est mais finalement, c'est quoi les besoins? À quel moment on repart des besoins? Et c'est extrêmement fondamental, ça, c'est de dire, en fait, on produit, certes, mais on produit avec quel but? C'est pour répondre à quel besoin? Et donc là, d'un seul coup, tu te remets à poser des questions qui sont nécessairement des questions qui dépassent aussi le moment, entre guillemets, de la production. Quand tu réfléchis au sens profond de ce que tu veux faire, de ce qu'on veut faire collectivement, on rebute toujours sur les services publics, tu vois, la réponse au besoin, à quel besoin. Et je pense que, en fait, cette question-là, on parle beaucoup, en fait, on commence souvent par la question du financement, et moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est ça-là qu'il faut poser en dernier, c'est d'abord poser la question des besoins, ce que ça implique en termes de production, avec quelles contraintes physiques, et puis ensuite, les modalités de financement, et là, je pense que cette pyramide, elle est un peu faite comme ça, en tout cas dans ma tête pour l'instant. Je sais pas si... Comment est-ce que tu vois, toi, les potentialités de la planification aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'inspire là-dessus? C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je travaille actuellement, donc il n'y a pas encore de choses qui sont complètement abouties, mais peut-être pour dire quelques éléments. La première chose, c'est que la question des besoins, elle nous arrive en pleine figure. Alors, pas seulement par la critique qu'a menée Razmig dans son livre du consumérisme, et le fait qu'effectivement, il y a une forme de mal-consommation, hein, que chacun peut expérimenter. Pourquoi? Parce que justement, la production est orientée par le profit et non pas par les besoins. Donc, bon. De ce point de vue-là, il y a bien une réactualisation de la nécessité d'un pilotage de la production par les besoins et donc par une forme de planification. Mais il y a aussi quelque chose de plus urgent, enfin, je ne sais pas si c'est plus urgent, mais en tout cas presque plus immédiat, c'est la violence de la crise écologique et de la crise climatique qui impose de penser hors des caractères, hors des critères, hors des clous, hein, de la coordination marchande. Effectivement, si on prend la question de la crise écologique, eh bien, c'est des grandeurs physiques. Il va falloir restaurer du calcul physique pour faire face à la crise écologique. Et du calcul physique, c'est du calcul directement en valeur d'usage, et donc du calcul qui prend une certaine forme, qui a un rapport avec qui a un rapport non pas avec la marchandise, mais avec une forme de programme, hein, si on veut, de production, de programme de développement, donc de planification. Ça serait un premier élément. C'est-à-dire que la question de la planification, c'est à la fois la crise des besoins, qu'on expérimente, que l'on sait, mais aussi l'incapacité, hein, de la coordination marchande à faire face à la crise écologique. La deuxième dimension, c'est que le plan, c'est aussi la question de la politisation de l'économie. C'est la question des choix de l'économie et donc de la démocratisation de l'économie. Démocratisation sur les objectifs, démocratisation sur les moyens, sur les formes de l'organisation. Et c'est là où on voit l'articulation planification coopérative, à mon sens. Coopérative, c'est l'organisation concrète du travail,
est décidé démocratiquement. Puis la planification, c'est la planification démocratique des besoins. Je pense que c'est, à mon avis, l'articulation, elle est... il y a quelque chose à penser comme ça. Excuse-moi, je me suis emporté. Non, non, mais c'est exactement ça. Mais c'est une question extrêmement difficile parce qu'en même temps, il y a une tension. On voit bien que si on décide collectivement tous de priorités, bien ensuite, il faut les exécuter, ces priorités. Et donc, ça limite le champ d'auto-organisation pour les ouvriers ou pour les salariés au point de production. À l'inverse, si on part chacun des points de production et de l'auto-organisation des points de production, comment on fait pour arriver à quelque chose qui soit cohérent avec les besoins au niveau macro? Donc, il y a une forme de tension ici. Eh oui. Qui doit être pensée de manière... il ne faut pas la dissimuler, il faut réfléchir à comment on travaille autour de celle-ci. Elle n'est pas indépassable à mon sens. Je pense que ce n'est pas le même degré de décisions qui peuvent être menées. Puis il y a aussi des formes sans doute de planification qui peuvent émerger par en bas, hein, avec des formes de calcul en valeur d'usage qui peuvent se déployer de manière virale, donc quelque chose qui serait peut-être un peu plus de l'ordre de l'utopie bottom-up, quoi. En gros, pour faire simple, la planification, à mon avis, aujourd'hui, c'est deux choses. C'est une forme de décision politique sur le cadre du développement économique, du modèle de développement économique, critères écologiques, critères sociaux, et qui est un cadre dans lequel se déploie l'activité économique. Et puis, c'est aussi quelque chose qui doit avoir, donc, qui donc contraint la marchandise, si on veut. Et puis, c'est quelque chose d'autre, parallèle, qui peut avoir sa vie propre, qui devrait être une forme de déploiement, de forme d'auto-organisation de l'activité politique et économique directement en nature au niveau local. Et donc là, c'est l'idée d'un dépassement au niveau local expansif de la marchandise. Et là, c'est deux pistes qui peuvent, je pense, être déployées aujourd'hui, quoi, sur lesquelles il faut avancer, essayer, expérimenter. Voilà. Extrêmement intéressant. Je pense des questions fondamentales pour la suite, en tout cas qui donnent des ancrages, quoi, pour penser un potentiel après, entre guillemets. Et alors, comment est-ce que tu verrais, là j'ai envie d'un peu de dériver un peu, mais comment tu penserais le rôle de l'État là-dedans? Parce que tu as dit tout à l'heure, je crois que tu as paraphrasé notre ami, mince, j'ai oublié son nom maintenant, sur l'État comme rapport de force. Et je ne sais pas si... Poulanzas, voilà, c'est ça, merci. Merci de m'aider. Alors je ne sais plus, tu disais, c'était, je crois, c'est plus ce que tu as mis dans le rapport de force à la place de l'État, pour le coup. J'avais mis le capital fictif. Voilà, c'est ça. Mais pour le coup, l'État aussi, lui, enfin, c'est un élément qui m'a toujours paru très intéressant de le penser comme un rapport de force. Et puis, dans l'histoire aussi française, quoi, dans l'histoire depuis la Révolution, pour le dire comme ça, ça a toujours été aussi pour moi une tension dans la manière dont j'essaie de me visualiser les choses. Et je ne sais pas comment toi tu penses ça, le rapport avec le pouvoir public et avec l'État. Non, je pense qu'effectivement, cette idée que l'État n'est pas homogène, qu'il n'est pas constitué de corps qui se situent unilatéralement de tel ou tel côté du conflit social est absolument essentiel. On voit bien, alors c'est Bourdieu qui parlait de la main gauche de l'État pour parler par exemple, de l'école, de l'éducation nationale, choses comme ça. Puis à côté de ça, on a le trésor où ça pantoufle avec la finance en permanence. On se rend compte que là, il y a une prise directe du capital dans sa forme la plus abstraite, du capital financier, sur le développement de l'État. Donc, il y a vraiment cette contradiction au sein de l'État. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là encore, la bataille politique est importante, mais qu'on ne peut pas attendre toute celle-ci. C'est-à-dire que des victoires électorales sont sans doute, pourquoi pas, des victoires insurrectionnelles, même si ça semble un peu hors d'attente aujourd'hui, peuvent avoir un rôle effectif, mais ça ne résoudra pas le problème de l'État, puisque l'État restera hétérogène immédiatement après des victoires politiques. Ensuite, j'insisterai véritablement sur ce caractère contradictoire de l'État. Et pour reboucler sur ce que tu évoquais tout à l'heure avec ce qui se passe autour de Biden, qui aurait imaginé qu'il y ait un tournant gauche aussi marqué aux États-Unis qu'il y a aujourd'hui? Alors, il y a des limites, etc., mais il y a un tournant gauche tout à fait significatif. Ça montre, hein, ce caractère ambivalent. Alors, il va falloir le comprendre en détail, vérifier. Peut-être qu'on le surestime maintenant et qu'il y a des choses qu'on n'a pas tout à fait compris. C'est encore très frais. Puis, on ne l'a pas expliqué. Pourquoi, quelles sont les causes de ce déplacement? Mais ça montre bien le caractère un peu instable, hein, du politique comme moment particulier dans le conflit de classe qui ne peut pas être limité à un État purement accaparé par les classes dominantes. Voilà, il y a quelque chose qui est contradictoire. Alors, très bien. Si ça te va, peut-être qu'on peut prendre quelques questions du chat maintenant et il ne répondra pas. Alors, il y en a une qui était au début, alors je ne l'ai pas prise tout de suite. C'était, si on n'a pas le courage de lire les trois livres du Capital, qu'est-ce qu'on pourrait lire pour avoir une espèce d'introduction un peu large
comprendre les grands éléments. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, si tu avais quelque Alors, chose il y en a tête? je conseillerais trois livres. Il y en a un qui est écrit par Bernard Chavance, qui s'appelle Marx et le capitalisme, la dialectique d'un système, qui doit faire 120 pages, un truc comme ça, qui est très bien fait, très, très pédago. Il y a Le Capital en BD, qui est fait aussi. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, c'est un manga. Ah oui. C'est pas mal, quoi. C'est encore plus accessible que le Chavance. Sinon, il y a deux traductions. Une traduction, je crois que c'est, qui a été faite par Bruno Tinel, d'une introduction à Marx de Saad Filho et Ben Fine. Donc Ben Fine, c'est Ben, son prénom, et Fine, Fine. Et ça s'appelle, je ne me souviens pas, Marx et le Capital ou quelque chose comme ça. Et il y a aussi une petite introduction pareille de David Harvey, 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 dont j'ai aussi oublié le titre exact, puisqu'il y a plusieurs ouvrages qui ont été traduits en français de Harvey, mais c'est le plus petit des livres. Donc c'est trois auteurs, hein, Chavance, Harvey et Ben Fine et Saad Filho. C'est des bonnes introductions à Marx, assez pédagogiques. Attends, je les note dans le chat, comme ça sera fait. Et donc tu dis Bernard Chavance, Ben Fine, et le troisième, c'est qui déjà? Je sais plus. C'est David Harvey. David Harvey, bah oui, bien sûr. Parce que bon, alors c'est Alors vrai David que... Harvey, il y a aussi du gros, hein, David Harvey, donc il Ouais. faut plusieurs traductions. Donc faut... Il y a La Limite du Capital, qui est quand même son gros opus, là, qui est passionnant, mais qui du coup, quand même, c'est quand même C'est pas dense, une quoi. introduction. Tu peux y passer un bon moment de ta vie, quoi. Avec une très belle intro d'un certain Cédric Durand, n'est-ce pas, hein, qui fait le préambule. Et donc, pour le coup, un plaisir. Mais en fait, même ton préambule, on peut le lire, je trouve, comme ça. Il s'appelle Comment être marxiste? Je vais le mettre parce qu'il est en PDF quelque part. Je Il pense que est du ouais, coup, sur le là. site de l'Université de Genève. Ouais, voilà, Mais c'est ça. non, il était pensé, il était, le préambule était pensé comme ça, c'est-à-dire que Harvey, dans son ouvrage, c'est un ouvrage de 1982, mais qui va au-delà de Marx, c'est-à-dire qu'il prend l'essentiel de la théorie économique de Marx, et il montre comment des dizaines de chercheurs ont dialogué avec ça. Et il essaye de faire un peu une discussion de ces différentes contributions, de les mettre en relation, ce qu'elles ont résolu, ce qui n'est pas résolu, etc. Puis il fait des propositions propres lui-même. Et dans l'introduction, j'ai essayé de rendre compte de ce marxisme comme pensée vivante, non fermée, et comme finalement un agenda de recherche toujours valable, à mon sens, pour les jeunes générations. Bien sûr, non, mais extrêmement intéressant. Puis tu montres bien la vivacité, ouais, en France dans les années 70 notamment. Ensuite, ouais, non, c'est, moi je trouvais que c'était une très bonne préface, très intéressante et en plus accessible, donc c'est très bien. Alors il y a une question de Marx pas content qui est un peu large mais qui est intéressante. Est-ce que tu es optimiste pour l'avenir? Alors, je vais me cacher derrière la formule de Gramsci, hein, qui est bien connue, c'est-à-dire optimisme de la volonté, pessimisme de l'intelligence. Donc, par tempérament, par même pratiquement devoir politique, je pense qu'il faut être optimiste, c'est-à-dire que l'avenir étant ouvert, il sera ce qu'on en fait, et ce qu'on en fait dépend de notre capacité à imaginer des issues positives à cette situation. Et donc, il y a des éléments tout à fait positifs. J'évoquais le changement de conjoncture complètement surprenant aux États-Unis ces derniers mois, ou de manière plus structurelle, le fait qu'aujourd'hui, il y a des formes de centralisation extrêmement importantes du capitalisme qui font que finalement, eh bien, si Biden était plus que ce qu'il n'est, donc là, tout de suite, on évoque les limites, eh bien, il pourrait, par le truchement du contrôle de quelques fonds financiers, de trois fonds financiers, finalement, avoir une direction politique sur l'essentiel de l'économie américaine. Donc ça, c'est des choses qui montrent que finalement, c'est assez concret, c'est assez disponible, c'est pas très loin. Le pessimisme, c'est aujourd'hui le recul fondamental de l'auto-organisation, hein, des classes populaires, du mouvement ouvrier en particulier, le fait que les solutions xénophobes et autoritaires aient un pouvoir d'attraction extrêmement important. Et là encore, ben, Marx avait bien senti ça. Hein. Il évoquait à propos du racisme contre les Irlandais en Grande-Bretagne, il parlait de l'importance du diviser pour mieux régner. Hein, les capitalistes, ils ont intérêt à diviser pour mieux régner, parce que dès lors qu'il y a des divisions, des faux conflits qui minent la population, ces conflits-là se traduisent pour eux par un plus grand pouvoir de négociation.
Donc, c'est quelque chose qui aujourd'hui, évidemment, très, très parlant. On voit l'importance de la xénophobie, la force de l'extrême droite, les menaces qu'elle représente, même pour la liberté d'organisation des mouvements sociaux. On a vu ce qui menaçait il y a très peu de temps l'UNEF, par exemple, un syndicat étudiant dont on discutait à longueur d'édito, de la possibilité d'éventuellement de le dissoudre. Donc, on se rend compte que là, on est vraiment dans un moment qui peut être extrêmement dur, extrêmement inquiétant. Donc, je suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis contraint plutôt d'être optimiste, même si je souhaiterais être davantage optimiste. Peut-être qu'on pourrait dire ça. Très bien. Alors moi, j'ai une question que j'ai moi-même envie de te poser. Le chat, apparemment, n'en a plus. On a fait récemment un live justement sur les post-keynésiens. Enfin, en tout cas, on a vu une conférence, etc. C'était très intéressant avec des choses très claires. Je me demande comment tu vois, toi, ça, les post-keynésiens. Est-ce que tu penses qu'il y a matière à penser les liens entre Marx et Keynes? J'en suis, moi, à titre individuel, convaincu qu'il y a des ponts très intéressants à faire et des auteurs et des autrices très intéressant et intéressante à lire, et qui nous emmène aussi d'une certaine façon sur des idées de Marx, quoi. Alors, je me demande si, bon, peut-être pas en très longtemps, ce que tu penses de ça? Non, moi je suis assez d'accord. En tous les cas, les post-keynésiens, c'est vraiment très proche par certains aspects du marxisme. Un auteur comme Kalski, vraiment, c'est un hybride entre Keynes et Marx. On peut Totalement. difficilement dire ça autrement. Alors, donc il y a un dialogue qui doit avoir lieu. Il doit aussi avoir lieu pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, la macroéconomie un peu sophistiquée, elle est essentiellement post-keynésienne. Alors, je sais que Dumine et Lévy essayent sur un ouvrage qui va permettre de contester un certain nombre d'idées post-keynésiennes, et j'ai hâte de lire ça. Mais il y a quand même une masse critique de chercheurs dans le champ post-keynésien qui n'existe pas dans le champ de la modélisation marxiste, et qui, du coup, fait que ce champ est finalement un peu. Il y a un dialogue nécessaire, si on veut. Bon. Ensuite, il faut bien souligner qu'il y a aussi une différence peut-être d'objet. Les post-keynésiens sont pour l'essentiel, et en tous les cas là où ils sont plus convaincants, c'est sur la dynamique macroéconomique. Et la dynamique macroéconomique à relativement court terme. C'est quelque chose qui finalement est très différent de la question que porte le marxisme, qui est celle du mode de production et de son développement à moyen et long terme. Et puis peut-être un troisième élément, c'est de fait une convergence politique dans la situation actuelle. Hein. Face au néolibéralisme, les propositions qui émergent du côté des post-keynésiens sont des choses qui visent finalement à contraindre le pouvoir du capital, à renforcer la situation des salariés. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui ne peut qu'ouvrir, enfin, et tactiquement, en tous les cas, tout à fait avantageux dans une perspective de transformation sociale. Tu me dis quand tu veux qu'on s'arrête, parce que sinon il y aura encore des questions et je veux pas Non, mais c'est te. peut-être pas mal. Je pense en plus on a dû épuiser tes auditeurs. Bah, oh là, non, tu Moi, auras c'est du bien mal à si les tu as des épuiser. questions, mais pour moi, c'est bien. Bah, il y a la grosse question qui est celle de la construction européenne et comment tu vois cette question européenne, qui est aussi une question qui, moi, me hante depuis un long moment maintenant. Mais pour le coup, c'est comment est-ce que tu vois, de ton point de vue, la suite des événements là-dessus, en tout cas, comment on pourrait soit s'en saisir, soit le critiquer fortement ou faire complètement autrement. Donc, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'en soi, moi, je n'ai pas d'affect négatif vis-à-vis d'une intégration européenne. Je n'ai pas une nostalgie d'une grande France. Ce n'est pas du tout ça ce qui m'anime, quoi. Et donc, moi, je serais plutôt heureux d'avoir un rapprochement, davantage de coopération en Europe entre les différents peuples, etc. Le problème, c'est que le mouvement d'intégration européenne qui a eu lieu n'est pas un mouvement neutre du point de vue des rapports de force entre les classes. Ça Qu'on a été puisse une dire. forme de. Ça a été une occasion pour changer la manière d'organiser les institutions et donner davantage de poids aux multinationales et aux marchés financiers, en particulier avec la politique de la concurrence et la libéralisation financière, avec cette centralité de la question de la stabilité financière. Donc ça, je pense qu'il faut en tenir compte. Alors ensuite, de quelle manière? On voit que par ailleurs, c'est extrêmement dysfonctionnel. C'est ça aussi qui est extrêmement marquant. La décennie 2010 a été absolument catastrophique du point de vue économique pour les populations européennes en général, mais même d'un point de vue global, même le capital européen, finalement, ne s'en est pas très bien tiré de cette décennie-là, qui a été vraiment extrêmement mal gérée, en particulier si on la compare avec ce qui s'est passé en Chine ou aux États-Unis. Donc il y a une forme de caractère absolument dysfonctionnel de cette construction européenne, et on le voit de nouveau aujourd'hui. Hein. Quelle est la zone dans les pays riches qui va s'en tirer le plus mal à l'issue de la pandémie? Eh Très oui. probablement, c'est la zone européenne. Pourquoi? Ben parce que les compromis politiques sont extrêmement contraints par la construction néolibérale justement de cette Europe.
Donc voilà, ça c'est de l'ordre de la clinique. Tout à fait. Le constat, c'est que ça ne marche pas. Ça, pour le coup. Ça marche pas, voilà. Ça marche pas. Alors, à quelles conditions c'est possible de la transformer ou pas? Fondamentalement, je pense que c'est des questions de dynamique politique. Je pense qu'il est difficile d'avoir une dynamique politique directement au niveau européen. Et il me semble plus probable qu'on se retrouve avec un gouvernement relativement à gauche qui émerge dans tel ou tel pays. C'est une possibilité en tous les cas. Et dans ce cas-là, à mon sens, ce gouvernement-là devrait avoir en priorité une loyauté vis-à-vis de son mandat de transformation sociale et de défense du monde du travail par rapport à son mandat vis-à-vis de l'intégration européenne, par rapport aux engagements européens. C'est dans ce sens-là où moi je pense qu'il faut assumer la possibilité d'une rupture avec l'Union européenne. Mais s'il y a un mouvement social et une alternative politique qui émerge, je ne sais pas comment, je n'arrive pas à l'imaginer, à le comprendre, mais qui pouvait émerger au niveau européen, je préférerais 1000 fois, évidemment. Bien sûr, c'est ça. En fait, c'est pas par principe. C'est sûr que s'il y avait des mobilisations énormes, des blocages d'usines partout en Europe en même temps, avec une coordination syndicale au niveau européen, je suis pas certain que tu dirais non, non, ne faites pas ça. Non, voilà, c'est ça, il n'y a pas d'hostilité de principe. Bon, bah écoute, il y a encore évidemment beaucoup d'autres questions, mais je veux pas te prendre trop de temps parce que tu étais déjà bien sympathique de rester avec nous tout ce temps-là. C'était passionnant et on aurait envie d'en discuter plus. Donc j'espère que tu reviendras, mon cher, et peut-être que tu aurais un mot de la fin, en tout cas, je ne sais pas si tu as un mot de la fin, mais... Non, pas, enfin, 2 mots de la fin. Je voudrais juste citer Emmanuel Macron, ce que je fais assez peu souvent. Donc, c'est mon conseil à la jeunesse, lisez Marx. Donc, voilà, je pense que c'est peut-être sa meilleure déclaration. Il avait déclaré ça à elle de manière un peu provocatrice et fantasque en 2017 avant d'être élu. Puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'était de remercier Mathieu pour cette invitation et puis pour cette émission qui est vraiment, je trouve, extrêmement bienvenue. J'aime beaucoup le travail que tu fais autour de ça et je voulais te féliciter pour ça. Bah, c'est adorable à toi, merci, c'est un plaisir. Et moi, j'ai passé un excellent moment. Alors, je crois que tu veux qu'on discute ensemble après, donc je te passerai un petit coup de fil si tu veux à ce moment-là. Ça marche, c'est parfait. Et bah, on fait comme ça. Je dis un peu au revoir à mon chat et à tout le monde, et puis je te passe un coup de fil tout à l'heure. Ça marche. Ça roule? Merci Cédric. Et à très vite. Merci. Bah, en fait, oui, dans quelques minutes, donc oui, à très vite, effectivement. Salut Cédric. Ciao. Bah voilà, encore une fois, c'était passionnant. J'espère que vous avez... Alors désolé, j'ai pas pris toutes vos questions sur la fin, mais là sinon je sais qu'on était parti pendant encore 3 heures. C'est ça d'avoir un chat de grande qualité. Et c'est le cas. Vous êtes des gens formidables. C'était passionnant, non? Ça donne beaucoup à penser, hein? Ça donne beaucoup à penser, à travailler. Et puis, c'est... Moi, sur cette question de lien coopératif planification, c'est... je pense que c'est là le nerf du truc à penser, quoi. Pas sur le... Quand on veut penser de manière positive, au sens de pas seulement dire l'existant ne fonctionne pas, mais qu'est-ce qu'on pourrait, sur quoi on pourrait se baser pour penser la suite des événements, n'est-ce pas? C'est, je pense, très intéressant et très important. C'était JQ, un peu de sérieux dans les sources. T'es sûr que c'était pas elle, c'est JQ? Ah là là, c'est pas possible. Merci Cédric, je le retransmettrai de votre part, vous avez été formidable. Bon, et ben, alors attendez, quand est-ce qu'on se fait un petit live ensemble? C'était très intéressant. Bah, merci beaucoup. Alors, on va recevoir en avril, fin avril, je pense, des anciens étudiants. Alors, vous avez peut-être vu qu'il y avait eu un papier dans les échos, sur, dans les échos start, ça s'appelle, je crois, sur les économistes de moins de 30 ans, vous savez, qui blablabla font plein de trucs. Sauf qu'évidemment, ils se retrouvent soit à la Direction Générale du Trésor, soit à la Banque Mondiale pour aller faire des trucs de droite. Donc, il y a des étudiants, ce qu'on appelle PEPS Économie, pour un enseignement pluraliste de l'économie dans le supérieur, qui vont venir un peu nous causer justement bah, des questions de pluralisme en économie, tout ça. Ça va être sympa. Une approche un peu plus philosophique d'habitude, ça change, c'était cool. Bah ouais, c'est vrai que quand on est sur Marx, pour le coup, on est un peu plus sur des questions globales, quoi, j'ai l'impression, bah, sur le mode de production, etc. Et parfois, je trouve que ça fait pas de mal de prendre un peu de hauteur. Je l'ai eu en prof et comme accompagnant, c'est un chef et très pédagogue. Eh ben, on lui transmettra. Excellent, il faut essayer de garder la vision pour le futur, mais c'est pas simple. Alors ça, Axel, à qui le dis-tu? Il faut garder l'optimisme, mais c'est vrai que c'est pas simple. Et puis quand on voit l'état parfois, hein, de nos forces de progrès, l'état de division, l'état de tension aussi qu'il peut y avoir dans nos propres rangs, n'est-ce pas? C'est ça qui rend des fois les choses difficiles, mais je suis un éternel optimiste et surtout un travailleur dans tous les sens du terme. On va pas lâcher le morceau tout de suite, il y a encore beaucoup de travail pour la suite. Donc voilà. Il y a des baffes qui se perdent. Pas pour moi, j'espère. Tu me fais peur. Mais on a du travail. Mais surtout, je pense qu'on a tellement à construire. C'est ça que je dis à chaque fin de live. Mais il y a tellement à penser, à construire, que c'en est franchement en même temps inquiétant, mais aussi très excitant. Et que
Il y a à faire. On a à faire, chers amis. Tu nous mettras les citations qu'il utilisait quelque part. Bah, j'ai pas noté toutes les citations. Ah bah si, je suis bête, j'ai les slides. Je vous le mettrai sur le Discord. D'ailleurs, je vous renvoie sur le Discord. C'est là. Je vous mettrai sur le Discord. Je mettrai la vidéo de toute façon sur YouTube. Vous trouverez de toute façon tous nos lives. Et sur YouTube, j'ai fait une playlist avec notamment tous les entretiens qu'on fait. Il y en a d'autres qui vont venir. On aura Mickaël Zemmour pour parler de la Sécu. On aura plein de gens très intéressants. Maxime Kijoux pour parler justement des coopératives. Et puis ensuite, tout un tas d'autres intervenants. Ça va être très bien. Optimisme de l'action, pessimisme de l'intelligence. Ah bah oui, ça c'est la grande citation classique, hein, n'est-ce pas, de Gramsci. Voilà, bah écoutez, ça fait plaisir de vous retrouver. On se fait un live entre nous, entre guillemets, bientôt. On va... Il y avait des slides, en fait, c'était des slides cachés. Il les avait pour lui, si tu veux. L'optimisme de la volonté, voilà, c'est ça. Quand est-ce qu'on va se faire un live ensemble? Laissez-moi réfléchir. On est quel jour aujourd'hui? Lundi. Jeudi 15, il y a une conf des intérêts que j'aimerais bien rediffuser. Donc du coup, c'est à 20h. Donc on peut se faire une partie live avant. Donc on se donne rendez-vous jeudi. On lira quelques papiers, etc. Je crois qu'il y a une conf des intérêts qu'on retransmettra vraisemblablement ensemble. Ça marche? Bon, je vous dis à jeudi. Et des bises. Je vous dis bon courage. Bonne soirée tout le monde. J'ai très faim. Allez, prenez soin de vous. Et lisez Marx.